Alors, bonjour à tout le monde. On vient donc d'ouvrir la salle. On laisse les gens finir de se connecter. On avait un beau panel de participants avec plus de 100 ou 120 inscrits. Donc, on prend 2 minutes le temps que tout le monde s'installe. À l'écran, donc vous avez vous profitez de voir le panel des intervenants qui vont donc participer à ce webinaire. Et je regarde le nombre de participants augmenté et on va démarrer d'ici 1 ou 2 minutes. Encore 48 inscrits à se connecter. Vous voyez en tout cas qu'on a un beau panel de participants. Vous aurez l'occasion de les entendre. Hein. On va présenter un peu rapidement l'événement, qui on est aussi, qu'est-ce qu'on a voulu faire et cibler précisément avec cet événement. Florence et Laetitia, quand vous êtes OK, je pense qu'on va pouvoir y aller. C'est bon? Allez, c'est 10h04, on a eu nos 4 minutes. Donc je pense que les intervenants vont. Oui, est-ce que quelqu'un nous Bah, entend? oui, on a perdu Pierre, je pense qu'il y a eu un petit souci. En Pierre, je te effet. laisse recliquer sur monter sur la scène. Je pense que parce que j'ai vu que tu as switché. Est-ce que vous m'entendez? Ah C'est oui, tout c'est bon. bon. Et du coup, ça faisait longtemps que j'étais parti. Depuis que tu as initié la démarche, donc tu peux recommencer. D'accord, ok. Bon. Donc c'était sur les présentations, donc je vais aller vite. Donc moi, je suis Pierre Bondraco, président du Hub Open Source. Du pôle de compétitivité systématique Paris-Région, pôle qui comprend 6 ou 9 hubs et enjeux, et donc nous on représente le hub open source. Je suis accompagné, donc avec moi qui ont préparé cet événement, Laetitia Jeanne, donc qui est responsable communication de la partie open source du pôle, et puis Florence Blazy qui est la coordinatrice du hub open source, en plus de s'occuper du hub digital infrastructure. Alors, le hub open source de systématique, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a plus de 11 ans d'existence. En fait, on a plus de 15 ans puisqu'on avait fêté nos 10 ans à OSXP ou OPOS en 2018. On est plus d'une centaine de membres, bon, 150. On regroupe des PME, des ETI, des grands groupes, donc des sociétés de toute taille, mais également des académiques et quelques fondations, par exemple comme Eclipse. Donc l'enjeu global, il est de promouvoir la filière professionnelle de l'open source, donc une approche assez pragmatique et aussi orientée business. L'enjeu, c'est d'accompagner, donc on est un esprit très, très ouvert, hein, c'est la partie pragmatique de l'open source et pas dogmatique. Donc notre enjeu, c'est d'accompagner les organisations qui souhaitent toucher, se mettre ou approfondir la partie open source. Donc, on n'est pas uniquement des puristes avec du 100% open source, on est très ouvert justement par rapport à ça. L'autre enjeu, évidemment, c'est de soutenir les membres du hub, que ce soit sur les parties R&D avec des projets, des labellisations, des réponses à appel à projet.
des projets d'innovation collaborative, que ce soit en termes de compétences, de business, de financement et évidemment de technologie. Et donc, un de nos enjeux, c'est de favoriser l'émergence de socles ou briques technologiques open source, de pousser les standards, mais également de faire développer, d'aider au développement de toutes les structures membres du hub. Et on fait ceci en bonne collaboration avec les autres hubs de systématique, puisque notre credo, c'est un peu de dire que l'open source est un moyen et pas une fin. Et donc, l'enjeu, c'est on peut intervenir un peu sur toutes les fins, ça peut être de l'IA, ça peut être du cloud, ça peut être un petit peu tout. L'enjeu, c'est de voir et d'essayer d'accompagner là où l'open source peut apporter une valeur, que ce soit d'ouverture, de souveraineté ou autre. Vous avez un panel là de membres, hein, avec différentes sociétés, toute taille, l'INRIA, des académiques, etc. Et donc, ça met un bon concentré, un bon panel de sociétés. Et du coup, les discussions et les événements sont en général assez intéressants. Donc, un dernier slide de présentation pour moi, un panel des actions que l'on mène. Alors, dans les actions à venir, il y a l'Open Source Experience, anciennement Paris Open Source Meet, événement que l'on co-organise chaque année, qui est le grand événement open source européen. On fait une conférence sur le langage Rust, langage technique qui monte pas mal, qui a été accepté dans le noyau Linux assez récemment et provoque beaucoup d'engouement. Mais d'autres exemples d'actions, on fait des livrets bleus, on a fait un livret bleu récemment sur l'IoT, l'open source dans l'IoT. Et ensuite, on va faire des ateliers un peu comme celui-ci là, sur VMware, sur différents thèmes qui vont des aspects juridiques, parole d'experts, sur les histoires de licences, de valorisation, de comment mettre en œuvre au niveau juridique l'open source. Sur les business models, on a fait un grand cycle d'ateliers Open Source Business Lab où on avait eu 270 inscrits au premier sur en gros comment accompagner les sociétés qui veulent aider l'open source et notamment, par exemple, aussi dans comment devenir éditeur en open source. Des actions plus ciblées sur des aspects technologiques, par exemple comme la sécurité de la supply chain, dont on entend parler beaucoup. On a fait un très bel atelier l'année dernière avec le responsable du sujet de Thales qui est venu par exemple des États-Unis. Et puis on participe de façon très active à la grande enquête annuelle où tous les deux ans, le baromètre sur l'étude de marché de l'open source. Donc des actions très concrètes avec des cibles précises et c'est un petit peu ce qu'on a voulu sur cet atelier VMware. L'idée c'est de dire, bon, tout le monde connaît le contexte par rapport à Broadcom, VMware, tout le monde est beaucoup, nous sommes impactés par le sujet et donc ce qu'on a voulu faire c'est une approche très pragmatique et opérationnelle du sujet. Donc on a regroupé 6 acteurs là qui vont ensuite se présenter. D'INFI, Vates, Vortex, Egon Solutions, Camp2Camp et Mirantis. L'enjeu, c'est de présenter dans ce premier atelier un panel des solutions sur toute la couche du scope virtualisation et cloud, et notamment de ce que fait VMware, donc l'hébergement de VM, la partie cloud ou l'orchestration de containers ou l'hébergement de containers. D'avoir 6 participants, comme ça permet que chacun puisse mettre en avant sa solution, mais dans un périmètre de comparaison par rapport à VMware. La cible, c'est des gens qui ont VMware et qui se posent des questions. Donc, le point de départ, c'est on part de ce que fait VMware et on compare par rapport à ça. Et puis, orchestré par Adrien Huer de Ilki, notre expert, justement pour que la parole soit modérée ou contrôlée ou qu'elle soit la plus réelle possible. Donc, notre objectif, c'est toujours d'être concret, d'apporter des réponses, non pas théoriques, mais aussi pragmatiques. Et donc, voilà pour le Hub Open Source. Merci à tous les participants. Et je laisse la main à Adrien Huer d'Ilki. Merci Pierre, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là, effectivement, pour ce beau sujet qui est, je dirais, les alternatives à VMware, comme disait Pierre, c'est un sujet tendance. Avant de commencer, je vais juste vous présenter très rapidement Ilki pour justement que vous compreniez bien le positionnement. Donc Ilki, on est un petit cabinet de conseil technique, hein, une trentaine de personnes. On accompagne différents clients
sur que qu'ils soient privés ou publics, d'ailleurs dans leur transition technologique, peu importe où ils en sont, est-ce que c'est au début de leur réflexion, est-ce qu'ils ont déjà des choses et ils cherchent à le faire évoluer. Notre trois grandes valeurs, c'est l'expertise, c'est un peu la tarte à la crème, mais pour autant, ça reste une réalité, de par le nombre d'années d'expérience de nos collaborateurs et collaboratrices, mais aussi par récemment les certifications autour de Kubernetes, notamment KCSP pour la partie service provider et KTP pour la partie formation. Le partage, je le cite tout de suite parce qu'effectivement, bah, là, je parlais de la formation, c'est un des vecteurs. On aime partager nos connaissances, compétences, faire et je dirais accompagner les gens aussi dans leur évolution et les différents collaborateurs. Aujourd'hui, la formation, c'est à peu près 25-30% de notre chiffre d'affaires. Donc, ça reste un gros pan pour nous et important. Le dernier, c'est l'indépendance. Ça, c'est peut-être aussi un des points clés. Ilki, on a zéro partenariat commercial avec aucun éditeur, constructeur, fournisseur de cloud ou autre, pour justement être le plus objectif possible, le plus libre dans nos choix, dans nos paroles, et finalement reprendre, je vais reprendre l'adjectif de Pierre tout à l'heure, le plus pragmatique aussi dans les choix qui sont faits pour nos clients. D'un point de vue technique, nos principales briques d'intervention sont l'infrastructure, le cloud et tout ce qui est CloudOps, outillage autour de la gestion du cloud, tout ce qui va être cloud native et DevOps, donc ce qui va tourner autour des containers, l'orchestration de containers et puis tout le marché, je dirais, ou l'écosystème qui s'est créé autour de ça. Et enfin, le digital workplace, tout ce qui touche à l'environnement utilisateur et l'environnement de travail numérique pour même l'étendre. Évidemment, tout ça en prenant en compte différents enjeux transverses comme les coûts, le numérique responsable autour de ça. Donc, assez parlé d'Ilki, parlons de notre sujet du jour. Avant de rentrer dans les alternatives et les solutions et de passer la parole aux différents acteurs présents aujourd'hui, je voulais refaire un tout petit peu d'histoire de VMware. Bon, je vais pas refaire toute l'histoire de VMware, c'est pas l'objectif, mais au moins quelques dates clés. Important pour après et aussi pour positionner les alternatives et montrer en termes de comparaison de maturité ou de temps. Donc, VMware créé en 98, évidemment, donc on est sur une entreprise quand même assez ancienne. J'ai des gens qui apparaissent par contre. Pardon. Désolé. Donc, société assez ancienne. ESX, qui est la partie hyperviseur. Donc, pour gérer ces machines virtuelles depuis 2001, lancement de vSphere en 2008, création de Horizon, qui est la partie virtualisation de poste de travail en 2011, gros pas ou un pas important en 2012, l'acquisition de Nicira pour faire leur solution de SDN qui viendra et qui est aujourd'hui NSX. 2019, acquisition de Pivotal, de Carbon Black, donc Pivotal, qui était d'ailleurs un spin-off ancien, mais en tout cas qui va être un point clé pour tout ce qui est gestion des containers et point clé à la création de Tanzu, en tout cas à la création et l'évolution de Tanzu, parce que c'est cette année-là aussi qu'ils font cette annonce. Hein, Tanzu, pour rappel, pour tout ce qui est gestion de containers, ou en tout cas application cloud native pour l'élargir. Carbon Black sont des outils de sécurité. Voilà, donc 2020, lancement de Tanzu, les premières briques. Alors, on était sur quelque chose de pas très sec, mais en tout cas, ils l'ont lancé à ce moment-là. Et puis aussi une annonce de spin-off entre Dell et VMware, ce qui va aussi avoir un impact, ce qui peut avoir un impact aussi aujourd'hui pour vous, notamment après sur des solutions comme VxRail, par exemple. Sur des dates plus récentes, annonce de l'acquisition par Broadcom en 2021. Ça a mis beaucoup de temps, cette acquisition, pour différentes raisons. Alors, c'est de la manière de fonctionner aux États-Unis, je pense que vous savez. Donc, enfin, je sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais en tout cas, au moment où ils annoncent une acquisition, il y a toute une période où d'autres acteurs pourraient faire une offre plus importante sur l'achat de cette société. Pour autant, 61 milliards proposés par Broadcom, ça laissait peu de place à d'autres acteurs, ou en tout cas, les acteurs qui auraient été capables de le faire étaient peu nombreux. Et puis avec toute la partie validation aussi aux US, parce que bah, Broadcom, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'origine c'est une société singapourienne, qu'au board il y a beaucoup de Singapouriens encore, donc ça pose question évidemment. Enfin, vous connaissez la relation Singapour-Chine aussi, donc finalement la relation États-Unis-Chine. Donc globalement, réellement, 2023, ça a été l'année qui a vraiment fait la transition de ce rachat. Tout de suite, il y a eu des annonces de refonte du portfolio en 2023, l'annonce aussi de restructuration des différentes business units, et puis surtout l'annonce de tout de suite dire, OK, deux,
business unit, on souhaite s'en séparer. Ces business units, c'est End User Computing et Carbon Black. Ils ont dit tout de suite, on souhaite s'en séparer pour rester sur quatre grandes briques principales, Cloud Foundation, Tanzu, Software Defined Edge et Application Networking and Security. Et puis 2024, tout de suite, la première acquisition qui s'est faite sur une des BU qui avait été, je dirais, mise à la vente, End User Computing a été acquis par KKR, d'accord, peut-être que vous connaissez, donc fonds d'investissement, mais que aussi derrière Parallels, ils ont racheté la partie, je dirais, Horizon de VMware pour 4 milliards. Et je crois que d'ailleurs, ils sont plutôt actés sur un nom, d'ailleurs, qui serait Omnisa, je crois, de ce que j'ai entendu. Donc l'impact de ce rachat-là, vous n'êtes pas sans le savoir, mais j'ai essayé de lister les principaux impacts. La fin de la version VSX gratuite, qui était quand même un point intéressant. La fin des licences perpétuelles, ça c'est un gros impact. Donc passage sur un modèle de souscription comme beaucoup d'éditeurs depuis quelques années. Des nouveaux modèles de licences, donc combinés à ce passage en souscription. Donc je cite par exemple à l'exemple de Vessan avec historiquement un modèle purement basé sur le CPU et puis une transformation avec la prise en compte de la volumétrie en plus. Et puis la modification de programme VCSP, hein, donc c'est tout ce qui est VMware Cloud Service Provider. Où là, c'est pareil, obligé de s'engager sur 3 ans minimum. Si vous avez moins de 3500 CPU, vous avez plus de discount comme vous l'aviez à l'époque, etc., etc. Donc un impact fort sur les coûts. On a eu des premières infos avec certains acteurs, avec des augmentations comprises entre 15 et des centaines de pourcents. Ça dépend vraiment des cas. Et donc voilà, on en est à peu près là. Pas trop d'infos sur les prix encore, je dirais officiels. Ça devrait arriver normalement fin avril. On l'attend tous avec, je dirais, impatience. Sur le nouveau portfolio, les infos qu'on a actuellement, alors là, je vous ai mis le lien en bas, hein, c'est William Lam, qui est quelqu'un de chez VMware, qui a publié, puis que vous connaissez peut-être d'autres, par ailleurs, sur d'autres aspects, qui publie pas mal de contenu autour de VMware. Donc, des grands packages, ça, on a l'habitude. Globalement, ce qu'il faut retenir, vous retrouvez les solutions qu'on vous avez l'habitude de voir avec la partie VSX, Tanzu, vCenter, ARIA, qui est le nouveau nom de Verilize Operation. Et puis, ce système avec un package plus des add-ons possibles. Le point, donc c'est soit on a le package total qui est sur la partie gauche, sur la partie droite, vous allez retrouver un package, je dirais, un peu plus petit, mais qui est déjà généralement, alors qui pourrait vous convenir, mais pour autant qui est généralement assez gros pour la plupart des gens, parce qu'il embarque de fait vCenter, ESX, vSAN, et puis la partie ARIA. Autre point clé, vous voyez tout de suite à droite, production support obligatoire, donc plus de support basique comme on l'avait à l'époque. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est un peu plus petit, qu'on n'a pas besoin de vSAN, qu'on n'a pas besoin de toute la suite ARIA? Il y a d'autres packages, d'accord, qui ont l'air d'exister, donc vSphere standard, vSphere essentiel plus kit, où là ça comprend globalement que vCenter et ESX. Par contre, dans les add-ons, un point notable, c'est que vous ne pouvez pas avoir accès à vSAN, en tout cas de ce qu'on en sait aujourd'hui. Pas d'accès à vSAN, pas d'accès à NSX pour le rajouter. Même ARIA, ce n'est pas dans les add-ons possibles. Donc globalement, ils vous forcent à aller sur des packages qui seront probablement trop importants pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on pressent aujourd'hui. Un équivalent de l'essentiel plus que vous connaissiez peut-être, toujours pareil avec cette limite de 3 ESX maximum et puis 96 cœurs. Donc voilà les briques un peu aujourd'hui, en tout cas ce qui se pressent. Donc des changements de portfolio, ils vous poussent sûrement à embarquer beaucoup plus de produits que ce que vous auriez besoin. Et peu d'infos sur les prix encore actuellement, peut-être pour certains, vous avez déjà eu des débuts de négociations avec VMware. Donc c'est pour ça que évidemment beaucoup de personnes, de clients, d'utilisateurs se retournent ou regardent les alternatives. J'ai essayé de décomposer ici par selon notre thématique, nos thématiques de ce webinaire, donc héberger ses VM, construire son cloud, déployer ses applications cloud natives, avec des principaux acteurs. Nutanix fait beaucoup de bruit et surfe sur la vague de manière cohérente. Mais voilà, un nombre d'acteurs assez important et aussi des acteurs open source intéressants à regarder. Et c'est pour ça que ce webinaire a lieu et que d'autres événements vont suivre pour montrer que il y a des alternatives open source viables aujourd'hui, même s'il y a des manques, et puis c'est surtout aussi contribuons au manque qu'il peut y avoir pour essayer de les pallier. Pour ça, différents intervenants qui ont été cités par Pierre, l'idée pour chaque intervention, vous allez voir, vous allez retrouver à peu près un pattern assez similaire,
présentation de la société qui intervient, présentation de la solution qui porte. Un tableau comparatif dont je vais parler juste après, histoire de justement essayer de comparer de manière synthétique les solutions VMware à ces solutions open source. 5 avantages inconvénients des solutions, quelques éléments intégrés dans la roadmap selon les intervenants, et puis les offres commerciales qu'il peut y avoir. Et à chaque intervenant, une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions, à les poser. Le support sera effectivement disponible pour la question qui est actuellement dans le chat. Donc, avant de passer la main aux différents acteurs qui sur la partie hébergée CVM, voilà le fameux tableau comparatif. J'ai essayé de lister en fait les principales fonctionnalités clés, je dirais, de VMware, la haute disponibilité, le déplacement à chaud, la répartition de charge, les snapshots, l'interface de gestion VMware, les capacités d'automatisation, la compatibilité, parce que ça reste un point fort quand même de VMware, l'écosystème qui existe autour, que ce soit matériel sur la partie OS ou par exemple là les solutions de sauvegarde. Donc, on essaiera de comparer les solutions sur ces points clés. Donc, pour commencer, je vais passer la parole à Grégory. Hop, je te laisse la main pour nous parler de Proxmox. Bonjour, merci beaucoup Adrien pour cette présentation qui était très claire. On a pu passer en revue un peu toutes les différentes composantes de la partie VMware. Donc, nous sommes la société d'Infi. Et je suis Grégory Bernard, donc le gérant de la société. Notre société a été créée en 2001. On fait à peu près un peu plus de 800, plutôt 850 000 euros de chiffre d'affaires. On a 6 personnes qui travaillent avec nous. Et on est un spécialiste des technologies open source depuis déjà d'assez nombreuses années. On a construit toute notre entreprise autour de l'open source, aussi bien du côté des serveurs DNS comme Bind, et surtout sur la partie cyber, puisqu'on a deux activités au sein d'Infi. Donc, une première qui est constituée par deux logiciels de cybersécurité, d'Infi Firewall et d'Infi Manager, et la deuxième qui est constituée par ce partenariat avec Proxmox. Donc, nous avons été cette année, en 2023, les premiers partenaires Gold de la solution Proxmox que l'on utilise et pour laquelle on prêche depuis déjà d'assez nombreuses années. Donc l'équipe est une équipe très technique, plutôt avec des ingénieurs d'assez haut niveau, et on a une maîtrise complète de l'environnement. Proxmox, avec notamment une expertise de l'ensemble des sous-jacents tels que ZFS, Ceph, et une très bonne expertise dans la pile réseau Linux. Donc, qu'est-ce que Proxmox? Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent ou ont déjà vu ou utilisé Proxmox, mais en gros, c'est une alternative de virtualisation open source qui est performante et particulièrement abordable, surtout quand on pressent les augmentations de prix qu'il va y avoir avec VMware. Donc, c'est construit autour d'un socle avec deux logiciels principaux, KVM d'un côté et LXC pour l'autre. Donc, KVM, c'est la technologie de virtualisation de serveurs Linux qui existe depuis à peu près aussi longtemps que VMware. Et LXC, c'est une technologie de conteneurs qui permet donc d'avoir des environnements plus légers et de tirer avantage de ces deux technologies qui cohabitent au sein d'un environnement qui est proposé par Proxmox. Il y a une interface de gestion qui est assez complète, interface web, qui permet d'envoyer un certain nombre de commandes à Proxmox de manière à opérer le cluster ou le serveur de virtualisation que vous allez mettre en œuvre. Il y a des technologies de cluster donc, qui sont assez bonnes, même excellentes, puisqu'on a accès à Ceph, qui est une brique qui permet de mettre en œuvre des serveurs hyperconvergés. Donc, une capacité à augmenter en volume, à augmenter en performance, simplement en ajoutant des nœuds au cluster ou du stockage. C'est un stockage qui est réparti entre les différents nœuds et Proxmox a pris soin de simplifier l'accès à cette technologie qui peut être quand même relativement complexe. Il y a un support d'autres technologies de stockage, donc il y en a d'assez nombreuses. On pourra citer LVM, NFS, de l'ISSI,
du ZFS. Voilà. Et depuis maintenant 3 ans, il y a un système de sauvegarde, de backup, qui s'appelle Proxmox Backup Server, qui a été mis en œuvre et qui permet de mettre au point un PRA assez solide. Donc, si on regarde le petit tableau qui a été proposé par Adrien, on coche pratiquement toutes les cases avec Proxmox. On a de la haute disponibilité de VM qui est intégrée au système. On a la capacité de déplacer les VM sans aucun problème. La répartition de charges va arriver, donc c'est en cours de développement, mais pour l'instant, ça ne coche pas encore la case. Les snapshots sont présents sur la plupart des environnements. Donc là, ça va un petit peu dépendre des choix que vous faites au niveau du stockage. Tous les stockages ne peuvent pas permettre des snapshots, mais bon, la plupart d'entre eux, donc si vous faites un choix cohérent, vous aurez accès à des snapshots sans aucun problème. L'interface de gestion, donc on a parlé de l'interface web, mais il existe aussi une interface en ligne de commande et un ensemble d'API. C'est un logiciel Proxmox qui est 100% open source, il n'est pas à moitié, un peu, un tiers ou avec des licences qui seraient extrêmement contraignantes. Donc c'est un logiciel open source qui a joué beaucoup le jeu de l'ouverture et donc les API permettent de faire énormément de choses, de faire du provisioning dynamique, de les coupler avec de l'ansible ou de faire toutes sortes de manipulations au sein des machines virtuelles, y compris le provisioning. Donc, c'est des API qui permettent ce genre de manipulation et qui sont disponibles dans différents langages. On pourra citer notamment du Python. Voilà. La gestion du cycle de vie, bah, c'est calé sur les mises à jour de Debian. Donc, il y a environ une mise à jour tous les an et demi à peu près, des mises à jour majeures. Et entre ces mises à jour majeures, il y a plusieurs mises à jour un peu mineures, donc on va dire tous les 6-8 mois, il y a des mises à jour mineures. Donc voilà ce que je peux dire. La partie backup est intégrée, elle est très simple à mettre en œuvre et elle bénéficie d'outils de test qui permettent de simuler la volumétrie de vos backups à échéance de 3 mois, 6 mois, 1 an, comme vous voulez, pour voir un peu où vous en serez dans 1 an. Donc les avantages, le prix des souscriptions, hein, ça démarre à 0, donc c'est pas très cher. Si on prend les souscriptions, donc je parle des souscriptions au service de support Proxmox. Donc là, on a 4 catégories de supports qui peuvent vous être proposées, qui permettent à chaque fois d'augmenter en termes de capacité d'accès aux équipes de support de Proxmox et vitesse d'intervention. Bah, la simplicité de l'interface, hein, elle est quand même très bien faite. On s'y retrouve relativement rapidement. Le backup intégré, Ceph, c'est des technologies hyper convergées qui permettent de monter des clusters rapidement. La dispo des API, la partie miroir Proxmox hors ligne pour les environnements de haute sécurité. Donc ce 6e point, je l'ai rajouté. On a pas mal de sociétés qui travaillent dans la défense qui se tournent vers Proxmox parce que justement, le miroir hors ligne permet de travailler de manière complètement déconnectée tout en bénéficiant des avantages des souscriptions Proxmox. Donc, il y a quelques inconvénients. Il y a notamment la vision unifiée multi-cluster. Donc, ce qu'on retrouvait sur un vCenter n'existe pas encore. On est obligé d'avoir plusieurs environnements, un par cluster, en quelque sorte. Pas d'équilibrage de charge, mais ça arrive comme j'ai précisé. Et la partie SDN est peut-être un peu plus complexe à mettre en œuvre. Voilà. Les points importants si vous souhaitez déployer du Proxmox, donc c'est la conformité de l'architecture hardware. On trouve énormément de gens qui nous appellent un peu paniqués parce que d'un coup leur Proxmox ne marche plus, mais en règle générale ils ne marchent plus parce qu'ils n'ont pas fait leur due diligence sur la partie hardware. Les performances réseau, c'est essentiel, hein, notamment pour les clusters Ceph, puisque l'essentiel des flux circule et s'équilibre au sein du réseau. Et puis, les besoins en formation sont aussi à prendre en compte, puisque c'est quand même des technologies qui, même si dans l'idée, peuvent se rapprocher de ce que vous connaissez avec VMware, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Voilà, donc c'est là où on intervient. Nous, on est là pour vous accompagner sur vos projets de migration. Donc, on en a déjà réalisé plusieurs dizaines. On peut les prendre en main de manière tout à fait cohérente. Vous fournir du hardware, puisque nous travaillons avec Gigabyte en direct.
avec des prix très intéressants. On a des propositions de réseau aussi, donc là, c'est optionnel, mais comme c'est essentiel, on a des solutions qui sont assez bien et qui peuvent vous permettre d'atteindre des vitesses performantes et conformes avec les attentes de Proxmox. On fait des POC qu'on peut déployer dans nos locaux ou chez vous, suivant la taille des projets. Voilà, on a cette livraison installation de matériel qui est assez intéressante, qui vous permet d'avoir un peu des projets clés en main. Et à l'issue de ce déploiement, on vous propose éventuellement des contrats de maintien en condition opérationnelle qu'on gère en partenariat plus ou moins rapproché avec Proxmox. Voilà, donc on a bien évidemment une gestion des achats de souscription. Hein, si on est parvenu Gold Partner, c'est parce qu'on a vraiment joué le jeu avec Proxmox, donc on est assez proche d'eux. Et donc, on diffuse leur licence que vous pouvez acheter directement sur notre shop ou éventuellement via l'UGAP. Voilà, il y a des gestions d'API pour des licences en volume. On peut négocier avec vous des remises si vous avez plus de 50 DM et assurer un suivi dans le temps et un accès simple au support. Voilà, je ne sais pas exactement où j'en suis au niveau du timing. Mais je vous propose d'ouvrir les questions. C'est parfait. Du coup, je vais poser les questions. Alors, on a pas mal de questions. Donc, Grégory, je pense que je te laisserai y répondre a posteriori à l'écrit, parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les traiter, je pense. Une première question, alors, en tout cas, qui rejoint un peu deux, j'ai l'impression, sur la partie sauvegarde, où aujourd'hui, la question, c'était est-ce qu'on peut la possibilité de faire des sauvegardes sans agent, sans déployer d'agents au sein des VM, et la question qui est reliée, c'est est-ce que vous confirmez que Vim développe une solution agentless pour Proxmox? Alors, on n'a pas besoin d'agents pour faire des backups de Proxmox, puisque les backups sont directement opérés au niveau des hyperviseurs, en fait. Donc, ça va travailler au niveau des inodes, donc directement au niveau des disques ou des conteneurs que vous avez, et assurer de cette manière un backup qui est de plus en plus efficace et qui fonctionne assez bien. Voilà, alors en ce qui concerne Vim, on a des rumeurs comme quoi ils seraient en train de travailler sur un backup intégré à Proxmox, mais très honnêtement, la solution de backup de Proxmox répond à 95% des besoins. On a juste eu un cas de figure où il y avait énormément de petits fichiers, là je parle en centaines de millions de fichiers à backuper, où là, effectivement, Proxmox Backup n'était pas forcément hyper performant. Ok, merci. Autre question, du coup, il y a une question sur la partie stockage. Est-ce qu'on est possibilité d'interconnecter un SAN FC aux infrastructures Proxmox ou pas? Alors, c'est une question qu'on a énormément ces derniers temps. Ça va dépendre un petit peu de votre SAN et des technologies de SAN. Donc, on peut faire de l'ISCSI. Ce n'est pas la technologie la plus recommandée en termes d'accès au SAN. Il vaut mieux faire du ZFS over ISCSI. Et là, il faut vérifier si votre SAN est compatible avec cette technologie-là. Voilà. Okay. Merci. Alors, je regarde s'il y a des votes spécifiques. Est-ce que Proxmox est tamponné solution de sécurité réglementaire, telle que l'ANSI par exemple? Le chiffrement intégral, VM communication, est-il supporté? Alors oui, on peut faire du chiffrement de VM, puisqu'on peut chiffrer directement l'ensemble de la stack, et on a aussi accès à un chiffrement de plus bas niveau via TPM. Donc il y a pas mal de choses au niveau sécu qui peuvent être mises en œuvre, y compris des clés TPM personnalisées. On a eu cette demande par Thalès, voilà, sur des problématiques de cyber un peu balèzes. Non, je ne pense pas qu'elle soit malheureusement validée avec un quelconque tampon de l'ANSI. Ceci étant dit, elle est utilisée par tellement de monde aujourd'hui qu'elle peut prétendre, si on regarde ça d'un point de vue cyber, à qualifier. Enfin là, je ne me prononcerai pas à la place de l'ANSI. Ça marche. Pour ceux, effectivement, j'ai vu, certains ont dit c'était pas la question, n'hésitez pas à la reposer, et puis Grégory pour la faire à l'écrit a posteriori pour préciser. Ok, pas de problème. Dernière question, j'avais vu une question sur la possibilité de créer des stretch clusters entre deux sites, oui. Cluster étendu avec la réplication synchrone au niveau du stockage, est-ce que c'est possible ou pas? Alors oui, c'est possible avec les
avec du CEF, on peut tout à fait faire ça. Suivant les cas de figure, ça peut être plus ou moins complexe à mettre en œuvre. Ça dépend si vous avez des réseaux étendus, si vous allez passer par du BGP. On peut faire du, ce qu'on appelle, c'est un peu du jargon, mais c'est du L2VPN, EVPN, donc qui permet de faire des technologies étendues de synchronisation de vos VM. Donc, c'est des technos qui sont assez complexes à mettre en œuvre, mais qui peuvent tout à fait fonctionner. Ok. Merci Grégory, merci pour ton intervention. C'est synthétique, hein. il y a des réponses qui mériteraient d'être un peu plus étendues. Évidemment, bon, évidemment. Voilà. Mais en tout cas, ouais, je te laisserai regarder la partie questions, comme ça tu pourras répondre aux questions qui restent, parce qu'il y en a un paquet. Merci de tout le monde de participer. Tout à fait, moi, je vais prendre le temps d'essayer d'apporter toutes ces réponses. Ça marche, merci. Merci Grégory. Du coup, je vais passer la main maintenant à Marc pour présenter une autre alternative à VMware ESX. Bonjour, merci Adrien pour cette introduction, merci pour la coordination aussi des différents acteurs. Et donc effectivement, moi je vais vous parler de DXPNG et de VATES. Alors très rapidement, un mot sur ma personne. Donc je suis Marc-André Pesin. Je suis le directeur marketing de la société VATES depuis 8 ans maintenant. Et VATES est une société française. On a été fondé à Grenoble en 2012, il y a donc un peu plus de 10 ans. À l'origine, on était intégrateur de solutions open source et depuis 2015, on a fait un pivot et on est aujourd'hui éditeur de solutions open source de virtualisation. En particulier, historiquement, donc le premier produit clé qu'on a développé chez VATES, c'est Xen Orchestra. Xen Orchestra, c'était une solution destinée à Citrix Xen Server. C'est une interface web agentless qui permet d'administrer plusieurs clusters, plusieurs pools, hein, comme ça s'appelle chez nous, de machines pour gérer un parc de machines virtuelles. C'est notre premier produit historique, mais depuis 2018, on est également l'éditeur de la solution XCPNG, de la plateforme de virtualisation, alors on pourrait dire presque hyperviseur, même si c'est un peu plus complet qu'un hyperviseur, dans la mesure où XCPNG embarque également une API. Donc cet ensemble, XCPNG et Xen Orchestra, compose ce qu'on appelle chez nous la VATES Virtualisation Management Stack. Et c'est donc une interface clé en main, une solution clé en main qui a pour but qui sert principalement les infrastructures on-premise ou hybrides, et qui a pour vocation, bien sûr, de gérer un ensemble d'infrastructures virtuelles, de machines virtuelles. Ça fait déjà un moment chez VATES qu'on se positionne comme une alternative à VMware, puisque depuis 2018 qu'on a le contrôle complet sur l'ensemble de la stack, eh bien, on est assez comparable au niveau architecture à ce que fait aujourd'hui VMware. On est une solution bien implantée principalement aux États-Unis. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, XCPNG, notre plateforme de virtualisation, est référencée chez Gartner dans le Market Guide for Server Virtualization. Et on développe, on investit beaucoup en R&D sur la partie XCPNG depuis 2018. On a investi largement plus de 2 millions d'euros, une partie étant notamment accompagnée par la BPI sur des projets notamment de sécurisation de la plateforme ou de travail sur des infrastructures matérielles innovantes comme les cartes DPU par exemple. Au niveau de notre ambition chez VATES, c'est de fournir une solution de virtualisation qui soit clé en main. Un petit peu comme aujourd'hui, un utilisateur VMware ne se pose pas trop la question de savoir ce qu'il déploie. Chez nous, l'objectif, c'est d'offrir un petit peu le meilleur des deux mondes, hein, de l'open source, 100% open source, sans lock-in, mais avec une infrastructure qui soit accessible à tout le monde, qui ne nécessite pas un travail d'assemblage en kit. Hein. Notre objectif à nous, c'est d'offrir quelque chose qui est totalement clé en main et qui embarque un écosystème le plus complet possible, qui permet aux utilisateurs de bénéficier et d'utiliser les outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser dans leur quotidien. Et à ce titre, VATES collabore avec des acteurs du monde de l'industrie ou du monde du logiciel également. On travaille par exemple avec de CRSI, qui est un fabricant français de serveurs depuis maintenant presque 2 ans, et on travaille à la pré-intégration d'XCPNG sur certaines de leurs machines, permettant notamment de pouvoir souscrire à une stack complète, vraiment à une appliance complète que vous pouvez brancher directement pré-configurée. On travaille également par exemple avec Ampere Computing, qui donc est le principal fournisseur de CPU ARM. On travaille sur un portage de la plateforme XCPNG vers ARM dans les années à venir. On parle d'un projet assez long terme.
Sur la partie logicielle, on est également, on travaille avec d'autres fournisseurs et d'autres éditeurs de solutions open source, et notamment Linbit, une société autrichienne qui travaille sur la technologie DRDB, avec lesquels on développe depuis maintenant plusieurs années notre solution d'hyperconvergence, notre alternative à Vsan, qui va d'ailleurs sortir d'ici quelques jours dans sa première version commerciale, donc on appelle Ixostore, et qui est une alternative à Vsan, directement et nativement intégrée à l'intérieur d'XCPNG. La proposition de valeur de Vates, on fait de l'open source, donc on commercialise pas de licence, la valeur se trouve pas, elle se situe pas dans nos lignes de code, elle se situe dans le support que l'on fournit à nos utilisateurs, et à ce titre, notre proposition de valeur, c'est de fournir le support le plus complet et le meilleur possible, et c'est pour ça qu'on aide et qu'on assiste nos utilisateurs dès la phase de conception, puisque c'est un cercle vertueux pour nous. Amener nos utilisateurs à concevoir des architectures solides dès la phase de POC permet d'aller en production, de limiter le nombre de tickets de support qu'on aura de notre côté une fois que l'infrastructure de nos clients sera en production. Donc c'est vraiment là-dessus le cœur de notre métier, c'est le support. On a d'ailleurs deux équipes de support qui sont réparties entre la France et les États-Unis pour pouvoir couvrir tous les fuseaux horaires, couvrir toutes les time zones, tous les fuseaux horaires, et fournir du support et du temps de réponse en une heure de temps de réponse sur les problématiques critiques. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de notre plateforme de virtualisation, XCPNG, on est originellement un fork de Citrix Xen Server, puisque né en 2018, à la suite de choix discutables de la part de Citrix dans le domaine de l'open source. Donc, on a décidé à l'époque de forker Citrix Xen Server, de créer XCPNG, et bien sûr en 2018, à l'époque où surtout les événements, les salons, y compris l'open source expérience, on entend parler de serverless, de Kubernetes, de containers, etc. Quand on lance une plateforme de virtualisation destinée à créer des machines virtuelles, on a un doute. On a donc décidé de lancer une campagne Kickstarter pour tâter un petit peu le terrain à l'époque, et on collecte 650% de notre objectif, et surtout on le fait en 24 heures. On se rend donc compte à l'époque qu'il y a véritablement une demande, il y a un créneau pour une solution de virtualisation open source, clé en main, que les gens attendent ce genre de solution et qu'il y a un vrai besoin, et que même si effectivement on commence à parler de tout ce qui est serverless et Kubernetes, et la réalité du marché d'utilisation, c'est qu'il y a encore beaucoup et pour beaucoup d'années des entreprises dans des domaines très divers qui utilisent et qui continueront d'utiliser la virtualisation. Et donc on se lance dans XCPNG à ce moment-là. XCPNG rejoint à la même période, à peu près un ou deux ans après le lancement, en 2020, on rejoint la Fondation Linux, et on est donc Vates est membre de la Fondation Linux, et le projet XCPNG est un sous-projet du projet Xen, Xen étant le noyau de notre solution. À la même époque, XCPNG atteint ses 100 000 premiers téléchargements. Aujourd'hui, en 2024, on est à plus d'un million de téléchargements d'XCPNG, donc pour vous donner une idée de la croissance et de l'adoption de notre solution. On travaille avec de nombreux acteurs dans de nombreux domaines, que ce soit dans l'industrie des data centers, dans le domaine du streaming, de la recherche. On travaille avec des infrastructures un petit peu critiques, l'armée, les télécoms, et également l'éducation. Historiquement, Vates est beaucoup plus présent aux États-Unis parce qu'on est à l'origine, encore une fois, on est une solution qui était plutôt dépendante de Citrix Xen Server, dont l'empreinte était beaucoup plus importante aux États-Unis, mais pour nous, ça nous va très bien. Ça signifie que c'est les États-Unis qui financent notre R&D en grande partie, ça signifie également que notre solution, elle est adoptée, elle est très largement adoptée parce qu'elle fonctionne et pas parce qu'on est français. Donc, ça nous va bien, et aujourd'hui, le marché français s'ouvre avec l'actualité Broadcom, et pour nous, c'est une très bonne nouvelle et quelque chose qu'on cherche à développer, évidemment. Alors, pour mieux servir nos clients et puis pour offrir quelque chose d'assez homogène en termes de propositions et de produits, on a refondu en 2022 l'identité graphique de Vates, et on a créé la Vates Virtualisation Management Stack, dont notre stack qui embarque à la fois XCPNG et Xen Orchestra, l'interface de management, pour pouvoir offrir quelque chose qui soit encore une fois clé en main.
Quelques chiffres rapidement à propos de Vates. Aujourd'hui, Vates, c'est 40 salariés. On était 20 il y a 2 ans. C'est principalement dans le domaine du technique, des ingénieurs, des développeurs, des gens qui font de la R&D. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, CPNG, c'est à peu près 15 développeurs à plein temps. Xen Orchestra, c'est à peu près autant, 15 développeurs à plein temps. Et voilà, ce sont également les développeurs qui sont susceptibles d'intervenir sur l'infrastructure de nos clients dans la mesure où il y a besoin de support. On a donc une équipe de support de niveau 1 qui est basée en France et aux États-Unis. Puis, quand on doit escalader, c'est carrément les experts, les développeurs de la solution qui vont potentiellement dépanner l'infrastructure de nos clients. Aujourd'hui, Vates, c'est à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 850 clients dans 90 pays différents, 60% de notre chiffre, c'est les États-Unis, 40% le reste du monde, et dans ces 40%, on a un petit pourcentage qui est la France. À la louche, on administre aujourd'hui, enfin notre solution, hein, parce qu'on est une solution encore une fois on-premise, on est déployé chez nos utilisateurs, on n'est pas du SaaS, notre solution manage à peu près 60 000 serveurs et plus d'1,5 million de VM. Parmi les plus gros utilisateurs qu'on a, il y a Kayak par exemple qui ont 1500 machines physiques. Alors avec beaucoup d'automation administrée avec Xen Orchestra, voilà, c'est partie des plus grosses infrastructures. On a également des infrastructures qui ont entre 1 et 3 machines et d'ailleurs on a des offres qui leur sont destinées. Je vais passer donc assez rapidement sur la partie fonctionnalité, puisque bon, le tableau est assez complet et je pense que vous aurez les slides pour pouvoir les revoir. Évidemment, la haute dispo, donc on en fait à partir de 3 hôtes, puisqu'il y a des raisons de quorum, évidemment. Le déplacement à chaud des VM chez nous, ça s'appelle Live Migration. Du moment où vous faites ça, il n'y a pas de problème, entre des architectures CPU similaires, évidemment, comme dans toutes les solutions à ma connaissance, hein, AMD vers AMD, Intel vers Intel. La répartition de charges automatique se fait chez nous avec un outil qu'on appelle le load balancing, donc c'est avec Xen Orchestra. La prise de snapshot, il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire. Oui, évidemment, il y a peut-être des cas particuliers, mais globalement, c'est quelque chose d'assez normal, d'assez classique. L'interface de gestion chez nous, j'en ai parlé, c'est Xen Orchestra. C'est une solution agentless, c'est une web appliance qui permet d'administrer autant de pools de machines, autant de machines physiques, j'entends, de serveurs que vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment conçu pour être une interface centralisée qui permet d'administrer l'intégralité d'une infrastructure. Pour tout ce qui est automatisation et API, on a 2 API actuellement dans Xen Orchestra. Une API REST qui est documentée et introspectable et qui est en constante évolution au fur et à mesure des besoins de nos clients, puisque en tant que bon éditeur open source, beaucoup de ce qu'on fait est finalement la résultante des requêtes de nos utilisateurs et du feedback que l'on collecte auprès de notre communauté. On a également une API JSON RPC qui est intégrée et qui permet de gérer tout ça. Au niveau gestion du cycle de vie, on a une version LTS sur 5 ans, des mises à jour. Vates fait partie de la Xen pré-disclosure list, donc on est informé des mises à jour de sécurité, de ce genre de choses-là en amont, donc tout ça est intégré. Xen Orchestra a un cycle de mise à jour mensuel avec de nouvelles fonctionnalités tous les mois. Un des points différenciants importants chez nous, on fait du best effort sur l'ensemble des machines x86. C'est important pour nous, étant éditeur de la solution jusqu'au noyau, hein, puisqu'on est top contributeur au projet Xen, on a cette capacité d'offrir ce best effort sur l'ensemble du x86. Aujourd'hui, on est compatible que x86, donc c'est important. Ça permet de reconvertir les infrastructures de la plupart de nos nouveaux clients actuellement qui viennent du monde de VMware. Pour l'anecdote, on a même reconverti des infrastructures VxRail sur XCPNG, ça fonctionne très bien. Les compatibilités OS et VM, on est comme tout le monde, on est compatible, on regarde pas trop ce qui se passe dans vos VM, donc vous pouvez faire tourner ce que vous voulez dedans, évidemment. On a donc une solution de sauvegarde nativement intégrée dans Xen Orchestra, qui fait de l'incrémental, du full, qui est compatible S3, du mirroring, du file level restore, ce genre de choses-là, et on est compatible avec quelques solutions de sauvegarde tierce partie, comme Storeware ou Invention ou Vim avec Agent. On discute évidemment à développer cet écosystème, mais encore une fois, Xen Orchestra est une solution de backup à part entière et elle est intégrée à nos offres. Alors, il me reste très peu de temps, donc je vais passer rapidement sur les atouts et les principaux inconvénients de notre solution par rapport à VMware. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une solution qui est 100% open source, hein, on n'est pas open core, tout est buildable et documenté depuis les sources, et on est une solution clé en main, c'est-à-dire que on s'installe très facilement, y compris pour des utilisateurs qui ne sont pas des fans hardcore de Linux. On facture notre support, donc ce qu'on vend encore une fois, c'est le support, et facturé au serveur physique, ce qui est assez unique dans l'écosystème de la virtualisation, et ce qui permet d'avoir une meilleure densité de machines, d'avoir des machines plus puissantes.
Xen est réputé être un hyperviseur sécurisé par design. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous explique pourquoi. On fournit du support en 24/7 et avec une heure de temps de réponse. Et enfin, on a une compatibilité matérielle très large. Pour ce qui est de nos inconvénients, effectivement, on n'a pas 100% des fonctionnalités de VMware. Évidemment, aujourd'hui, je pense qu'aucune solution sur le marché ne peut se targuer d'avoir 100% des fonctionnalités de VMware. Aujourd'hui, on a également une limitation sur la taille des disques virtuels, des VHD, qui sont limités à 2 Tera. Alors, il y a des contournements, vous pouvez passer votre disque en RAW, mais voilà, il y a des tas de choses qui vont bloquer, mais c'est quelque chose, donc c'est dans la roadmap, on travaille sur la nouvelle couche de storage. On a d'ailleurs publié un article très récemment pour vous parler des avancées. Donc, c'est quelque chose qui devrait disparaître d'ici la fin de l'année. Cela dit, avoir des VHD supérieurs à 2 Tera n'est pas une bonne pratique, on le recommande pas quoi qu'il en soit. À ce jour, on n'a pas d'équivalent à NSXT. Alors, on a des choses au niveau networking, hein, SDN Controller, OpenVSwitch qui sont intégrés, mais pas d'équivalent à NSXT de tout ce que fait NSXT. On travaille avec VYOS notamment sur cette partie-là également, ce qu'on voudrait intégrer dans l'écosystème. Et enfin, au niveau compatibilité avec des logiciels externes, on n'est pas VMware, donc on a un écosystème plus restreint, évidemment, mais c'est quelque chose qui grandit, qui évolue en permanence. Dans les prochaines actions qui vont arriver très très prochainement, la nouvelle couche de storage, une nouvelle version majeure de notre interface, qui est donc non seulement refonte de la partie UI, mais aussi des performances sous-jacentes. Hein. Et enfin, XStore, j'en ai parlé dans quelques jours, c'est notre équivalent vSAN qui arrive d'ici la fin du mois. Nos prix sont publics, affichés sur notre site internet, vous pouvez nous contacter évidemment. On fait des volumes discount à partir de 20 machines, encore une fois, on facture par hôte et par an. On a des offres pour les infrastructures qui ont entre une et trois hôtes, qui sont donc pas par hôte, mais flat, c'est pour trois hôtes et pas par hôte. Et donc, c'est 2 000 € ou 4 000 € pour trois hôtes avec l'interface Xen Orchestra, le backup, etc. intégré. Donc, encore une fois, pour cette partie-là, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On vous guidera à travers tout ça. Il n'y a pas de problème. Merci Marc, je vais faire le timekeeper. Oui, pardon. pas de souci. Du coup, on n'a pas le temps pour les questions. Tu as débordé un tout petit peu, donc je te laisserai regarder l'onglet questions. Oui, je vais répondre par écrit, pas de problème. Très bien. Merci. Merci à toi. Pour continuer, cette session est restée dans le timing, donc n'hésitez pas encore à les questions dans l'onglet questions, vous l'avez vu maintenant, et puis chacun des participants pourra y répondre. Donc merci à Grégory et Marc sur les deux alternatives, en tout cas aujourd'hui présentées sur cette couche, je dirais hyperviseur ou plus, mais en tout cas qui vous permettent d'héberger des VM. Et donc on va passer sur les autres thématiques, et donc la suivante, hop, et la partie construire son cloud, et donc sur le même principe, un petit tableau comparatif avec les briques de base, en tout cas que j'ai essayé que fournit VMware pour construire un cloud, ESX, NSX, vSAN, toute la suite ARIA, le portail de self-service inclus dans cette suite ARIA, la multi-tenancy, etc. Et donc l'idée, encore une fois, ça va être de présenter des alternatives et d'essayer de voir sur ces briques-là comment elles répondent. Et donc effectivement, je passe la main à Thibaut pour nous parler de la première alternative OpenStack. Alors, on t'entend pas, Thibaut. Est-ce que c'est mieux? Parfait, c'est mieux. Donc, on va parler un peu d'OpenStack. Donc, je vais d'abord me présenter. Je suis Thibaut Desmarais, je suis le directeur technique de la société Vortex. Alors, Vortex, c'est une société d'expertise en logiciel libre. On fait du service, de l'étude, du conseil. On est une société assez jeune. On a été fondé en fin 2016, début 2017. Et en plus de nos activités de service et d'expertise, on a des capacités d'édition de logiciels, une solution collaborative pour des mails, etc. Mais ce qui va nous intéresser plus ici, c'est une solution plus orientée infra qui s'appelle Wopla, qui a comme corps du produit un composant qui s'appelle OpenStack. Et dans l'objectif étant de faire un état des lieux de tout ce qui est possible d'héberger côté infra et d'avoir une infrastructure clé en main avec du conteneur, de la VM, des instances, etc. Et nous sommes depuis peu de temps référencés comme étant Silver Member dans l'Open Infra Foundation.
Et historiquement, depuis ses débuts, on est aussi un des premiers intégrateurs partenaires Red Hat sur la partie expertise. Et c'est aussi un des éléments qui nous fait bien connaître le produit OpenStack. Alors, je vais plus me focaliser sur le produit. Et déjà, OpenStack, juste en quelques chiffres, c'est un produit qui date de 2010, qui a des versions majeures tous les 6 mois, 29 versions à l'heure actuelle. On a carrément fait une boucle, on est repassé au C. Et la dernière version, elle date du 3 avril 2024, donc elle est très récente. Et souvent, il faut attendre un petit peu avant de les déployer pour avoir la partie migration complète. Chaque année, la Fondation OpenStack fait un sondage et cette année, il y a eu 2 200 organisations qui ont répondu. Ce qui peut illustrer un peu l'implantation d'OpenStack sur le marché, c'est le nombre de déploiements, là, on peut dire officiels, vu qu'ils répondent à un sondage, mais aussi la volumétrie globale sur l'intégralité des clusters. Il y a plus de 45 millions de cores CPU qui sont intégrés dans de l'OpenStack. Et en plus, c'est devenu un des premières causes de déploiement d'OpenStack, c'est pour déployer du Kubernetes. Donc déployer de l'instance et déployer du conteneur. Alors, je vous ai mis quelques graphes suite à ce sondage pour illustrer un peu les propos. Ce qu'il faut noter, c'est qu'OpenStack, c'est un outil qui est attaché à sa méthode de déploiement. Donc, en fait, il y a beaucoup de possibilités de déployer un OpenStack différent, que ce soit via Ansible, via des produits qui sont proposés par Mirantis, des produits qui sont proposés par Red Hat, et par exemple de l'OpenStack Ansible pour déployer à base d'Ubuntu. Donc, en gros, c'est un produit qui est orienté comme une boîte à outils. Et en fait, on peut faire énormément de choses avec son OpenStack. Il n'y a pas un déploiement OpenStack qui est identique. Et en fait, c'est vraiment un outil qui est à customiser et à gérer comme on a besoin. Et en fait, ça répond vraiment aux besoins de ce que vous devez déployer. Alors, dans le style de stats, il y a aussi le nombre de serveurs moyens qui sont déployés dans les clusters. Et en gros, c'est quand même, ça peut avoir des clusters de plutôt petite taille, donc de 6 à 10 machines, mais avoir des clusters à plusieurs dizaines de milliers de machines, comme certains gros acteurs du voyage ou comme l'équivalent du CERN, qui est un gros consommateur d'OpenStack et un gros contributeur. Alors, quelques utilisateurs clés. Alors, OpenStack, c'est beaucoup déployé dans les telcos. AT&T, Orange, SFR, Bouygues, ils l'utilisent beaucoup pour faire du déploiement sur les POP, donc au plus proche de leurs utilisateurs. Mais c'est aussi utilisé dans du bancaire. Donc là, j'ai marqué Société Générale, mais il y a aussi la BNP, etc. Et beaucoup d'hébergeurs comme Opla, qui est un hébergeur lyonnais, et OVH Cloud, qui utilise aussi OpenStack comme solution de déploiement. Alors, il ne faut pas hésiter à aller voir sur OpenInfra Dev Member pour voir toutes les personnes qui font partie de ce club d'utilisateurs. Alors, on va un petit peu illustrer OpenStack. Alors, OpenStack, par défaut, les gens arrivent sur cette vue qui fait extrêmement peur. Mais en fait, il faut plus l'avoir sur cette vue. En gros, OpenStack, c'est une boîte à outils avec des notions d'interface qui permettent de masquer la complexité ou qui permettent de faire des liens entre des applications et des besoins. Par exemple, on a la partie dashboard, la partie web interface qui est Horizon, qui répond à un certain nombre de contraintes et qui va pouvoir être remplacée par autre chose. Ça va être la même chose par exemple, pour Cinder, qui est la solution de gestion des disques. En gros, elle va servir d'abstraction à ce qui va être vraiment hébergé à l'arrière. Donc, le principe d'OpenStack, c'est qu'en gros, vous allez pouvoir héberger vos instances. Donc, ce n'est pas exactement des VM. Donc, c'est vos instances qui vont pouvoir être isolées dans des projets ou alors avoir un socle commun sur un réseau unique. En fait, il faut vraiment le prendre comme étant en fonction de ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez avoir un réseau à plat avec toutes vos instances dessus et que vous souhaitez juste mettre à disposition de vos équipes
du CPU, de la RAM et qui soient autonomes pour pouvoir les gérer. Ou alors vous gérez vous-même comme étant un infogéreur de votre cloud interne et vous créez les instances, etc. Ils ne font que consommer l'instance. C'est également possible. Après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut fournir du CPU, de la RAM et du réseau et les rendre complètement autonomes. Il y a toute la flexibilité, la maintenabilité et puis en plus la capacité de le faire vraiment adopter au maximum de besoins. Alors là, je vous montre une vue d'ensemble et si vous regardez bien, toutes les vues d'ensemble d'OpenStack, elles sont datées avec des versions parce qu'en gros, c'est un projet qui évolue beaucoup. Certaines briques ont tendance à apparaître pendant une ou deux versions, comme le VPN as a service ou d'autres briques qui sont apparues pendant un court laps de temps, pendant 6 mois, qui ont été des pré-releases mais qui n'ont jamais été réalisées complètement. Et là, cette vue-là représente plus les produits qui sont phares et qui n'ont pas bougé depuis quelques versions et qui continuent d'être maintenus, sachant qu'il y a quelques-uns qui sont des éléments clés, Nova, Keystone, sont la partie authentification et la partie gestion des hyperviseurs. En gros, la partie réponse par rapport à du VMware, OpenStack, c'est vraiment des notions d'interface et d'administration par rapport au reste. Par exemple, pour la notion d'hyperviseur, il y a une grande capacité d'hyperviseur différente. Ça peut aller alors le plus déployé, c'est du KVM, mais ça peut être aussi considéré que ce soit de la machine physique qui est la notion d'instance. C'est qu'en gros, l'OpenStack manage des machines physiques complètes pour déployer des instances. Ou ça peut aller même jusqu'à du vCenter, ben, ça peut interfacer par rapport à du VMware. Donc, vous pouvez à peu près tout faire. Et en plus, dans la partie KVM, il y a du multi-arch. En gros, vous pouvez faire du x86, mais vous pouvez aussi faire du ARM. Pour la partie SDN, alors, c'est aussi ouvert. En gros, par défaut, vous avez toute une liste de classification des fournisseurs de réseau qui sont supportés. Mais au début, vous pourriez aussi le configurer avec votre NXT, si vous le conservez. Mais il y a aussi d'autres solutions pour pouvoir agréger des réseaux de plusieurs clusters OpenStack différents et de pouvoir les faire des jonctions les uns avec les autres pour pouvoir avoir des clusters différents mais unifiés sur cette partie réseau. Je vous ai mis les liens parce que en gros la liste elle est vraiment très longue et sur un tableau de cette taille c'est pas envisageable de faire un résumé correct. Sur la partie solution de stockage, idem, il y a le principe c'est que on fournit des drivers de, par exemple pour Cinder pour la partie stockage et il va aller utiliser des API standards pour pouvoir répondre à un certain nombre de besoins de créer un disque, supprimer un disque, créer un snapshot, etc. Et dans la liste des supportés, donc il y a 73 fournisseurs de stockage différents. Ça peut aller du Ceph jusqu'à de la baie de stockage classique. Et sachant que dans les fournisseurs, il y a ceux qui sont supportés par OpenStack, mais aussi des fournisseurs tiers qui fournissent leurs drivers et donc qui peuvent utiliser ce qu'on appelle des custom drivers au sein de Cinder ou au sein de Swift. Pour la partie observabilité, donc il y a la partie native avec Horizon, donc en gros la dashboard qui fournit par défaut tout ce qui est possible de voir. Mais il y a aussi, c'est complètement ouvert sur de l'open telemetry, donc on peut récupérer toutes les informations par des nodes exporteurs. On peut récupérer que ce soit de services ou que ce soit directement des nœuds. On peut récupérer toutes les informations. Pour le portail self-service, il y a Horizon qui est par défaut, sachant que tout est fait pour être, comme je l'ai dit, API first et interfaçable. Donc, il est possible de retirer Horizon et de faire son propre portail pour bypasser ça. Certains de nos clients utilisaient des solutions comme ManageIQ ou des choses comme ça pour gérer cette partie. Et après, sur toute la partie multi-tenancy, elle est by design parce que c'est un IaaS et donc par définition, il est prévu de gérer cette partie-là et de les dissocier et de décorréler cette partie.
Et après, pour toute la partie automatisation, il y a tous les grands classiques, Terraform, les API, Ansible, et un outil au sein d'OpenStack qui s'appelle Heat, qui permet de manipuler des produits OpenStack à l'intérieur. Et après, pour la partie facturation, on peut récupérer les informations dans Nova et dans un outil qui s'appelle CloudKitty. Les principaux avantages, c'est open source complet, c'est ultra modulaire, donc comme je disais, c'est ajustable comme vous le souhaitez, c'est facilement automatisable, c'est orienté pour être automatisable, la communauté elle est très forte et c'est hautement évolutif. Les principaux inconvénients, c'est un autre paradigme, souvent l'approche IaaS est un peu perturbante au début. Le modulaire, ça peut être aussi un problème parce qu'en gros, vu qu'on a beaucoup de choix, des fois on a envie de tout prendre, comme quand c'est gratuit, les gens foncent dessus. Et ben en fait, c'est souvent une mauvaise idée pour la maintenabilité. Ça demande des administrateurs un peu confirmés parce que ça demande de savoir ce qu'on fait et d'être un peu capé. Et puis ça dépend beaucoup de la solution qui a été utilisée pour le déploiement. Et puis c'est vraiment addictif. Dans les choses qui pourraient être améliorées, c'est la supervision et la métrologie, parce qu'on pourrait être plus fin sur une solution de IaaS, la refonte de la dashboard et puis la stabilisation de certaines arlésiennes qui sont le VPN as a service et le DNS as a service. Voilà. Et puis pour les parties offres commerciales, les gros acteurs, ben Red Hat, Canonical, Mirantis, historiquement. Pour les plus petits acteurs, il y a nous, il y a Vortex, il y a Wopla. Et pour la partie offre de support, il y a forcément la partie communautaire qui est très forte, il y a nous. Et surtout, il ne faut pas hésiter à aller sur openstack.org. Il y a un marketplace consulting et qui ouvre toutes les offres de support possibles et tous les intégrateurs possibles, imaginables pour cette solution. Voilà. Merci Thibaut. Du coup, il reste une minute, on va la prendre pour poser une question. Alors, je vais essayer de regrouper plusieurs, peut-être. En tout cas, ça rejoint un petit peu des questions autour de la taille de l'équipe nécessaire. Enfin, je te laisserai regarder après. Pour gérer un OpenStack, des notions de passage de version. Est-ce que, selon toi, la vision que j'avais, c'était qu'on peut pas vraiment se passer de distribution OpenStack. Est-ce que, selon toi, on peut quand même, ou est-ce qu'il faut aller vers une distribution OpenStack pour simplifier le déploiement et la gestion au quotidien? Alors, pour les premières fois, le mieux, c'est de passer par une distribution. C'est plus comme les premières versions d'OpenStack où c'était vraiment plus compliqué. Je me souviens, dans les cinq premières versions, monter son OpenStack soi-même, c'était vraiment hardcore. Là, la documentation, elle est complète. On peut faire les updates tout seul, etc. Et vu que c'est de plus en plus orienté conteneur, le retour arrière est de plus en plus facile. Donc en gros, gérer une démontée de version et les faire par composants, c'est beaucoup plus simple qu'à une époque. Mais le mieux de tout pour les débuts et pour si vous préférez passer par une distribution, c'est très bien. Ça marche. Merci pour la réponse. Et merci pour le speak. Je te laisserai regarder aussi les questions comme ça pour répondre à celles qui ont été posées dans le chat. Merci. Merci à toi. Du coup, pour enchaîner, donc après effectivement la OpenStack qui est une alternative, donc je pense que plusieurs d'entre vous avaient entendu parler, une autre alternative possible et peut-être un peu moins connue en tout cas en France, qui est Open Nebula. Et donc pour ça, je vais passer la main à Jean-Philippe pour nous parler un tout petit peu de cette solution-là et puis d'Iguane aussi. Merci Adrien, bonjour à tous. Donc effectivement, merci à tous les autres participants d'avoir présenté leur solution. Donc Jean-Philippe Fourès, VP Product chez Iguane Solutions, et je suis là aujourd'hui pour vous présenter ce qu'on fait chez Iguane Solutions et surtout vous parler d'Open Nebula. Iguane Solutions, donc qui sommes-nous? Nous sommes un spécialiste de la gestion d'infrastructures et de plateformes complexes, en s'appuyant également sur des outils open source. On a plus de 20 ans d'expérience. Nous sommes nés en France, à Paris, et historiquement spécialisés dans la gestion de plateformes dans les médias, Dailymotion, Molotov, Deezer notamment. Et ensuite, on a acquis pas mal d'expérience dans la virtualisation, pour héberger de beaux clients également en France, comme EasyBourse, le groupe Astex, Sagesse, etc. Notre cœur de métier s'articule autour de trois axes, que sont les infrastructures forcément,
à la fois en cloud privé sur nos data centers et en cloud public. Tout ce qui est software, tous les outils que nous avons développés à base d'open source pour assurer la supervision, le déploiement et la sécurité des plateformes, et bien entendu, le tout s'appuyant sur le concept de DevOps. Donc, toutes les phases de conception, de build, de run, d'amélioration continue avec la fameuse boucle du DevOps infini. Et nous sommes solution provider OpenNebula depuis quelques années et nous utilisons OpenNebula depuis 2018. Donc, OpenNebula, c'est quoi? Tout simplement, c'est une plateforme de gestion de cloud. C'est un projet qui est issu, c'est un projet espagnol. Donc, OpenNebula, c'est le mix de la langue anglaise et de la langue espagnole. Donc, c'est un projet espagnol qui a été créé à l'Université de Madrid en 2005, dont la première version est sortie en 2008. Donc, peu de temps, pour ceux qui se souviennent, peu de temps après la mise à disposition de KVM dans le kernel Linux en 2007. Ce projet open source a débouché sur la création d'une entreprise, OpenNebula Systems, en 2010. Puis, ils ont commencé à organiser leur conférence annuelle en 2013. Et donc, depuis 2013, il y a une conférence tous les ans. Bon, avec le Covid, il y a eu un petit saut en 2020. Ils se sont mis et donc OpenNebula, c'est un orchestrateur de cloud. C'est une plateforme qui permet de gérer plusieurs systèmes de cloud. J'y reviendrai juste après. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont mis à supporter le fait de pouvoir se connecter à AWS puis Azure à partir de 2014. Et depuis 2019, ils font aussi partie de fonds européens sur l'innovation, notamment autour du edge computing, donc tout ce qui va être cloud computing réparti, distribué, depuis 2019. Et ils font partie depuis quelques semaines maintenant d'un projet européen qui est le pareil, tout ce qui est cloud computing à l'échelle en Europe. Donc, c'est un partenaire pan-européen qui est donc leader dans la création de l'infrastructure Edge. Pourquoi? Parce que le marché, pour l'instant, le marché du plus durable est peu développé. Et donc, l'innovation va stimuler les développements. Cela permet d'avoir des extensions de capacité de cloud computing et décentraliser permet de rapprocher la puissance de calcul du consommateur. C'est pour ça qu'ils misent beaucoup sur le Edge. Alors, pourquoi OpenNebula? Donc, c'est forcément la simplicité d'abord. Donc, c'est une interface unique qui unifie la gestion de la continuité de l'infrastructure cloud. C'est très facile et léger. C'est surtout très léger et surtout très simple à maintenir. Parce que maintenant, c'est un produit qui est prêt et très bien packagé. Donc, les déploiements sont très simples à automatiser avec des outils comme Ansible ou Puppet, par exemple. C'est très flexible et très souple. L'outil se personnalise très bien. Il est possible de pouvoir configurer et de personnaliser son usage d'OpenNebula, ce qui est super pratique dans la création de cloud. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi OpenNebula chez Iguane Solutions pour construire notre propre cloud et le proposer à nos clients. Il n'y a pas d'attache à un fournisseur de hardware particulier. Nous, on a l'habitude d'utiliser des serveurs Dell, puisqu'on est partenaire Dell. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel fournisseur de hardware et il n'y a pas d'attache particulière à des modèles de CPU. C'est éprouvé à l'échelle. Je vais montrer quelques exemples de clients en France, mais ils ont de très belles références également de par le monde, à la fois des clients dans des entités universitaires et d'éducation ou des entités publiques, et également des entreprises comme par exemple, moi je vais citer BlackBerry ou Booking.com par exemple, dans le monde. Et c'est économique, puisque forcément, le coût OpenNebula est open source et l'entreprise distribue également des versions spécialement pour les entreprises avec du support. Et leur coût est très raisonnable, puisque la facturation d'OpenNebula fonctionne au nœud, donc à l'hyperviseur, quelle que soit sa taille et quel que soit le nombre de cœurs CPU qu'il y a. Et également la notion d'administration de cluster. Donc, quelques références en France, donc forcément Iguane Solutions, donc également des entités publiques, comme je disais, donc des universités,
la Sorbonne, Nantes, le ministère de l'enseignement de la recherche, d'autres sociétés comme Maincare et une filiale de DocaPost. Bon, je vous laisse lire le slide et puis ça sera disponible à la fin. En synthèse, les fonctionnalités d'OpenNebula et notamment au regard de VMware. Grosso modo, OpenNebula supporte pas mal de fonctionnalités ou des équivalents, alors pas l'entièreté où certaines fonctionnalités sont limitées, et je vais revenir dessus. Donc OpenNebula supporte plusieurs systèmes de virtualisation ou d'hyperviseurs, KVM, c'est ce qu'on utilise nous pour notre cloud. Et il y a également le support de micro-VM au travers de Firecracker et de conteneurs au travers de LXD. Ce sont des use cases que nous n'avons pas eu l'occasion d'utiliser chez Iguane Solutions, mais ce sont des use cases qui sont très pratiques. Je pourrais donner plus de détails là-dessus a posteriori pendant les questions. Tout ce qui va être Distributed Network, donc un équivalent de NSX, c'est possible de le réaliser au travers des VNF apps, donc c'est des applications fournies par OpenNebula. Ça consiste avec des appliances de virtual router pour créer des petits réseaux virtuels à l'intérieur de votre OpenNebula, combiné à la notion de security group. S'il y a des familiers du cloud public, les security groups permettent d'isoler des ressources et de pouvoir déterminer de l'ouverture de ports, de la direction de trafic entre des rôles de VM. Combiné avec des virtual routers, on peut refaire un NSX assez facilement. Il y a le support également de plusieurs types de réseaux, des bridges Linux et également de VXLAN, ce qui est un atout, surtout à l'époque en 2008 quand nous avions dû choisir OpenNebula, le support de VXLAN, je sais pas, il y a quelqu'un qui a touché la slide, le support de VXLAN dans la partie nous permettant de faire la virtualisation de data center. Pour le stockage distribué, des supports de solutions open source comme Ceph, du support de NAS au travers de NFS. Il y a également des stockages, distribués plus logiciels fournis par Linstore qui s'appuie sur DRBD ou StorePool qui est une solution de stockage distribué ultra haute performance que nous utilisons pour nos backends de stockage. Et le support de SAN. Au travers du Fiber Channel, il y avait une question il y a eu plusieurs questions dans ce type-là, et donc effectivement, il y a le support de SAN au travers de SCSI. On peut monter des volumes SCSI directement dans OpenNebula. Tout ce qui est supervision, des outils de supervision fournis par OpenNebula et des API ou des Bindingo pour développer vos propres outils. Pour la consommation, il existe une interface graphique, Sunstone, qui s'appelle Sunstone dans OpenNebula. C'est un portail sur lequel vous pouvez contrôler à peu près tout d'OpenNebula. Et il y a également une CLI et donc des SDK vous permettant de développer des outils d'automatisation. La multi-tenancy est possible puisque il y a la gestion de groupes, d'entités. Vous pouvez découper en gros votre usage d'OpenNebula selon votre organisation. Nous, on a découpé les clients dans différents groupes sur lesquels nous pouvons mettre des quotas d'utilisation et resegmenter tout cela. La gestion utilisateur dans le portail est gérée avec de la double authentification, également comme pour les API. Qu'est-ce que dire de plus? Sur l'automatisation, bien sûr, il y a un orchestrateur très pratique pour pouvoir planifier les déploiements de machines virtuelles sur les différents clusters. Vous pouvez déterminer sur quel cluster tel type de machine peut être déployé. Vous pouvez automatiser également les maintenances et rebalancer des VM facilement à chaud. Quand vous passez un hyperviseur en maintenance, par exemple, un peu comme sur VMware avec du vMotion. Et il y a un provider Terraform que nous avons développé chez Iguane Solutions historiquement et qu'OpenNebula a officialisé auprès de HashiCorp en 2020. Ce provider vous permet à la fois de gérer les infrastructures virtuelles que vous avez déployées sur votre cloud et depuis peu, nous commençons à rajouter également le fait de pouvoir déployer OpenNebula, enfin en tout cas les hyperviseurs et les data stores et les rattacher à votre cloud OpenNebula. Et pour le suivi de la facturation, un module tiers permettant d'aider à faire les éventuelles mesures de ressources de billing. Les principaux avantages, donc c'est facile à installer et à maintenir et donc un faible TCO. Le support de nombreux hyperviseurs selon les besoins, c'est personnalisable, il n'y a pas de verrou, puisque quand vous êtes sur du KVM, derrière vous pouvez mettre n'importe quel orchestrateur, et c'est relativement mature, très stable et un support très réactif. Quels seraient les inconvénients?
Donc, il faut forcément faire un peu de développement des fois pour automatiser et s'interfacer avec son propre usage. Il y a quelques limites par rapport à un NSX qui est ultra simple d'usage pour la partie réseau. Les ressources Kubernetes fournies sont... il y a des appliances pour faire du Kubernetes dans OpenNebula. Nous estimons qu'elles ne sont pas assez matures pour pouvoir les mettre directement en production. Il faut les personnaliser et les adapter à ces usages pour faire de la production. C'est ce que nous avons fait chez Yuan. Il faut quelques connaissances, forcément, administration système. Et la gestion des backups peut être un peu gênante. Il y a OneBackup qui permet de faire cela de manière semi-automatisée. Cela peut avoir des limites sur des gros backups, des gros systèmes à backuper où il faudra privilégier des solutions passant par les serveurs de stockage. Dans la roadmap, il y a un outil en cours de finalisation puisque nous sommes en train de le tester avec eux qui s'appelle OneSwap, permettant de faciliter les migrations de VMware vers OpenNebula. Et j'ai oublié de le préciser, mais OpenNebula permet de s'interfacer directement auprès d'un vCenter, ce qui permet d'être très simple dans la gestion de SX et de KVM. Amélioration des VNF app et l'amélioration des fonctionnalités de backup. Et j'arrive sur la dernière slide pour présenter un petit peu notre offre autour d'OpenNebula. Une offre à trois niveaux. Premièrement, nous, on a notre cloud mutualisé qui nous permet d'héberger nos clients sur OpenNebula. La plupart de nos clients veulent simplement des machines virtuelles que nous mettons à disposition comme un cloud provider à partir d'un catalogue de machines virtuelles. Nous avons aussi une offre autour de hyperviseurs dédiés. Donc là, on va dédier la ressource de calcul. On mettra un modèle d'hyperviseur adapté à la charge de nos clients sur lesquels on va pouvoir faire tourner toutes les VM et tous les profils de VM que nous voulons dans la limite de leur cluster. Et en tant que solution provider, nous pouvons également construire un cloud OpenNebula entièrement dédié qui va bénéficier donc de notre savoir-faire technique, de notre expertise acquise sur OpenNebula et également d'un tarif préférentiel sur la licence et sur le support d'OpenNebula puisque nous assurons du coup le premier niveau de support pour OpenNebula. Et voilà, j'en ai terminé avec cette présentation d'OpenNebula. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Jean-Philippe. Il nous reste encore justement le temps pour au moins une petite question à minima. Il y en a une. Donc du coup, c'est est-il prévu de qualifier votre cloud Iguan SecNum Cloud ? Alors, pour la partie SecNum Cloud, en plus, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end aux États-Unis puisque le président Biden a signé une nouvelle version du FISA. Qui va donner droit à, en plus des entités cloud qui sont présentes en Europe comme AWS, etc., et qui avaient donc le devoir d'espionner des données européennes, ce droit va s'étendre également aux fournisseurs de transitaires et de Crossco, qui sont notamment les fournisseurs de data center, et la plupart de ces fournisseurs de data center, que sont par exemple les Quinix ou Digital Reality en France, hébergent des entités françaises, vont avoir un droit de regard sur les Crossco, donc il faut que nous fassions attention à cela, parce que nous sommes présents à la fois dans ces data centers et également chez d'autres fournisseurs de data centers en France. Donc pour l'instant, nous n'avons pas prévu de certifier notre cloud SecNum Cloud pour des raisons de marché, que nous n'avons pas suffisamment de mature. C'est quelque chose qu'on peut étudier selon les besoins de nos clients, mais effectivement, pour l'instant, nous ne l'avons pas. Nous avons étudié la norme, puisque je fais partie du comité pour cela. Mais effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas un marché suffisamment gros. Nous-mêmes, nous estimons ne pas avoir un marché suffisamment gros pour pouvoir justifier le passage de cette certification qui est relativement coûteux, à la fois en moyens matériels et également en moyens humains. Clairement. Merci pour la réponse. Écoute, merci à toi. Et je vais répondre aux autres questions éventuelles dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions encore. Du coup, on va passer sur une autre thématique. Après l'hébergement de VM, la construction de cloud, passons à déploiement d'applications cloud native, sous-entendu l'hébergement de containers et tout l'écosystème qu'il y a autour. Encore une fois, VMware propose quelque chose autour de ça, et notamment avec Tanzu, qui est un peu assez large, en tout cas, il y a pas mal de produits à l'intérieur. Encore une fois, ce petit tableau pour essayer de comparer les choses sur la distribution, est-ce que c'en est une ou pas, quelle version de Kubernetes est déployée, quel moteur de conteneur utiliser, les plugins réseau présents. Et puis, pour aller aussi sur les outillages proposés,
Évidemment, VMware en propose, eux, avec la Tanzu Observability, Service Mesh, Mission Control. On sait qu'il y en a d'autres, ils sont capables de s'interfacer avec d'autres. Donc là, c'est le but, est de parler un peu justement de ces alternatives et voir comment, qu'est-ce qu'elles proposent autour de ça. Et puis notre premier intervenant, du coup, Mathieu, pour nous parler d'OpenShift. Je te laisse la main, du coup. Alors, on t'entend pas, Mathieu, non plus. Toujours pas. Non, toujours pas. Est-ce que dans le petit micro, il y a bien le bon périphérique qui est... Vous m'entendez? Ah, c'est tout. Parfait. C'est tout bon. Désolé. C'est tout bon. C'est tout bon. Je te laisse la main. Parfait. Désolé pour le petit couac. Merci, Adrien. Donc, moi, je vous présenterai la solution OpenShift. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Mathieu Borneau. Je suis responsable du département infrastructure de la société Chem2Chem. Donc, pour un peu présenter la société, nous sommes une assez grosse société localisée dans différents pays. Le headquarter est en Suisse, mais nous avons de nombreux employés aussi en France, avec deux localisations en France, un bureau à Paris et un bureau à Chambéry. Nous sommes aussi en Allemagne, actuellement à Munich, et nous avons des bureaux qui vont arriver à Berlin et à Zurich. Donc aujourd'hui, la société compte un peu plus de 190 employés. Je fais un petit effort parce que normalement en Suisse on dit 190. Trois départements avec des spécialisations en géospatial, en business avec un partenariat avec Odoo et un département infrastructure que je lead depuis très longtemps et qui est spécialisé sur les solutions d'infrastructure et notamment les solutions Kubernetes Cloud. On a de nombreuses références open source, on a énormément contribué depuis plus de 20 ans. Si vous allez voir notre organisation GitHub, vous aurez un petit échantillon de tout ce qu'on a pu produire toutes ces années. On va basculer dans la partie OpenShift. Déjà, je tiens à préciser que tous les projets qui ont été présentés précédemment, on les a utilisés chez Chem2Chem. Donc, je vais faire un focus sur OpenShift, mais on a une expérience assez large sur différentes solutions. Chem2Chem a fait énormément de choses depuis toutes ces années. On est parti de la distribution Linux vers la virtualisation. On a beaucoup travaillé sur OpenStack et finalement aujourd'hui on fait principalement dans le département infrastructure du Kubernetes et une des solutions qu'on privilégie, pas pour tous les cas d'usage, mais quand il y a vraiment des demandes avec une gestion du risque, c'est la solution OpenShift. On est aussi Red Hat premier partenaire en Suisse et en Allemagne. Donc voilà, il y a un petit bonne connaissance de cette solution. Donc l'historique de OpenShift, elle est très intéressante parce que contrairement à d'autres solutions qui essayent aujourd'hui d'introduire du Kubernetes dans une solution existante, il y a vraiment eu une envie de faire un moteur de containers depuis très longtemps dans la solution OpenShift de Red Hat, déjà en 2010, sauf qu'à cette époque, les containers n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et la bonne chose qui s'est passée de bien pour Red Hat et OpenShift, c'est que Google, quand ils ont commencé à développer Kubernetes, ils ont eu la bonne idée d'en parler à OpenShift et OpenShift a pu très vite refaire sa solution basée sur Kubernetes. Donc déjà dans la V3, en 2015, on avait déjà une solution Kubernetes. Donc c'était déjà très en avance à l'époque par rapport à d'autres solutions. Depuis 2014, Red Hat est un des gros acteurs. Si vous regardez un petit peu dans le top des contributeurs de Kubernetes, il y a la personne qui était le team lead OpenShift pendant des années, qui est dans le top 5 des contributeurs. Donc, pour ceux qui le connaissent ou qui en ont entendu parler, là, le fameux Clayton Coleman, qui a énormément contribué à la solution Kubernetes. Donc, une grosse expertise sur cette solution. Différentes variantes. Le projet open source qui s'appelle désormais OKD,
qui était historiquement OpenShift Origin. C'est la solution OpenShift Upstream disponible sur GitHub. Vous pouvez la télécharger, l'installer. Elle est totalement gratuite. Et une des solutions, des variantes basées sur cette solution avec le branding, enfin le label Red Hat. Présence CNCF, oui, ben, comme beaucoup de solutions, Red Hat OpenShift fait partie de la Cloud Native Computing Foundation, du programme certifié de Kubernetes. Il y a des versions cloud qui sont fournies. D'ailleurs, il y en a une qui est le Red Hat OpenShift dédié. Donc, elle est gérée, cette solution, par Red Hat sur Google Cloud. Mais il y a aussi des solutions qui peuvent être démarrées dans les plus gros clouds du marché, notamment Azure et Amazon. Au niveau des informations clés, ben, c'est un ancien projet avec beaucoup d'implications dans la communauté Kubernetes. Et puis, voilà, c'est une solution extrêmement mature. Au niveau des fonctionnalités, alors c'est une distribution OpenShift de Kubernetes, donc pour orchestrer des containers. C'est une distribution de la même manière que Debian ou Ubuntu sont des distributions Linux, j'ai envie de dire. C'est vraiment un packaging avec un certain nombre de parties prises sur la manière dont les choses sont installées, sont configurées, sur la manière dont sont présentés les éléments dans l'interface ou comment on peut opérer certaines choses. Au niveau des versions, ça suit de très près le projet Kubernetes. Il y a quelques semaines de retard sur les versions. Au niveau des runtimes supportés, ben, il y a surtout Clio et Kata. Pour les plugins réseau, bien sûr, Kubernetes, OpenShift essaie de mettre en avant sa solution avec OVN Kubernetes, mais il y a des add-ons pour à peu près tous les SDN du marché. Présence d'un manager, j'étais pas tout à fait sûr de comprendre cet intitulé, mais je dirais que oui, Kubernetes par définition est un orchestrateur de containers. Et la bonne nouvelle avec OpenShift, c'est qu'il y a aussi, comme quelqu'un l'a mis dans les questions, un interfaçage avec Kubert qui permet de démarrer des machines virtuelles KVM à travers des containers. Donc, on se retrouve avec une machine virtuelle qui est instanciée au travers d'un container, plus précisément un pod, ce qui fait qu'on a finalement de la virtualisation duale. On peut démarrer des containers, démarrer des machines virtuelles. Donc, la solution idéale. Au niveau des gestions et des mises à jour, c'est totalement automatisé. C'est vraiment très poussé dans l'automatisation, que ce soit pour les versions mineures et les bug fixes. Pour les versions majeures, il n'y a pas eu de vraie possibilité de migrer de la 3 à la 4. Et puis pour la suite, ben, je n'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, c'est très, très bien fait au niveau de la gestion des mises à jour. Au niveau des identités, il y a une fédération externe qui permet de s'interfacer avec Active Directory et les principaux gestionnaires d'identité. Des intégrations avec de très nombreux projets open source, notamment sur l'observabilité, les outillages, la sécurité, et également pour la partie CI/CD. J'essaie d'aller assez vite parce qu'on a un peu de retard. Les 5 principaux avantages, je me dirais que c'est une vraie solution de PaaS. Donc, ça veut dire, si vous avez envie de démarrer une multitude de projets et que vous cherchez à avoir des environnements séparés, containerisés ou des machines virtuelles, c'est une solution extrêmement aboutie. Au niveau de l'installation, des mises à jour, tout est automatisé, c'est extrêmement puissant. Il y a de nombreuses certifications si vous cherchez vraiment un haut niveau de sécurité et conformité. Le support entreprise possible via Red Hat et l'approche hybride, puisque c'est très abouti sur la partie on-prem, mais vous pouvez bien évidemment aussi déployer cette solution dans le cloud. Les inconvénients, ben, le projet open source, projet entreprise sont deux projets quand même séparés. Il n'y a pas de chemin simple pour passer de l'un à l'autre. Ça pourrait être une question. On ne peut pas passer, installer la version open source et ensuite la licencier. On est obligé de réinstaller la solution avec la variante Red Hat ou vice-versa. C'est très dogmatique. Peut-être dogmatique n'est pas le bon terme. En anglais, on dirait opinionated. Il y a quand même un certain nombre de parties pris qui ont été faits pour cette solution. Énormément de fonctionnalités, solution plutôt complexe, un historique assez complexe, et puis une vision très cloud, c'est très moderne, très disruptif peut-être pour des gens qui ont juste quelques machines virtuelles. Il faut bien réfléchir avant de s'embarquer dans un voyage avec ce type de solution. Très difficile de trouver des points manquants dans cette solution, elle est extrêmement aboutie. Peut-être, ben voilà, le choix entre la version open source et la version entreprise, je dirais vraiment que la différence, c'est si le risque est très important pour vous, la version entreprise supportée par Red Hat sera certainement une bonne option. Pour terminer, les offres commerciales. Alors là, sur ce coup-là, on a pas mal de choix
Red Hat propose différentes variantes. Trois variantes sont disponibles. Une variante assez légère qui s'appelle Red Hat OpenShift Kubernetes Engine. Je dirais c'est au niveau des fonctionnalités fournies dans ces packaging où on a des différences. La seconde variante, c'est Red Hat OpenShift Container Platform, où là, on a aussi des outils pour faire du serverless avec Knative et puis Service Mesh Istio. En bleu, j'ai mis les solutions open source qui sont derrière ces solutions. Et puis, avec du GitOps aussi. Et puis, l'OpenShift Platform Plus, où là, on a encore en plus pas mal de features au niveau du storage. Et puis, le fameux Red Hat Advanced Cluster Security, qui offre des possibilités très avancées. Il y a aussi les éditions cloud, comme je vous l'ai dit, on peut démarrer dans Azure, dans une version qui est managée par le cloud provider en collaboration avec Red Hat. Et puis voilà un petit peu pour les différentes solutions proposées. Voilà, j'ai essayé d'aller le plus vite possible pour avoir un peu de temps pour les questions. Et... Alors, il y en a pas dans le chat pour l'instant, en tout cas. Moi, tu en as répondu, en tout cas, tu as répondu à une de celles que je me posais sur la partie passage de l'offre Open Source Enterprise. Donc, comme tu l'as dit, redéploiement complet, ce qui effectivement peut être assez impactant malgré la simplicité de portabilité des conteneurs. Il y a quand même des enjeux autour de ça. Non, après, je me suis toujours posé la question OpenShift. L'intérêt, c'est que c'est packagé, pas mal de solutions intérieures. Imaginons que je décide de mettre une solution tierce qui n'est pas intégrée dans la distribution. Alors, je pense qu'il n'y a pas de blocage particulier ou est-ce qu'il y a quand même des contraintes par Red Hat en me disant bah non, telle solution ne peut pas être intégrée. Alors, au niveau du déploiement sur la plateforme OpenShift, c'est vrai qu'il y a des solutions qui sont faites pour Kubernetes qui peuvent rentrer dans des contexte de sécurité mis en place par Red Hat, c'est des restrictions de la plateforme qui, par exemple, empêcheraient de faire tourner des containers en route. Mais c'est toutes des directives de sécurité, des policies de sécurité qui peuvent être relâchées selon les cas d'usage. Mais elles sont là au départ pour essayer d'enforcer des bonnes pratiques de sécurité parce que c'est quand même réputé pour être une solution très poussée en termes de sécurité. Mais rien ne vous empêche de désactiver ces policies à vos risques et périls, un petit peu comme sur une distribution Red Hat où on aurait SE Linux activé par défaut. Et on décide en toute conscience de se dire, bon, bah tant pis, je laisse tomber cette feature. Mais donc, rien n'est impossible avec OpenShift. Mais c'est juste que vous pouvez des fois être amené à désactiver certaines fonctionnalités de sécurité. OK. Donc, effectivement, en notre âme et conscience. Ça marche. Merci Mathieu. Merci à toi. N'hésitez toujours merci pas s'il y a des gens, des questions. On est là pour vous. Exactement. Et puis du coup, on va passer sur la dernière intervenant qui est Daniel pour nous parler d'une autre alternative sur KSZOS notamment et avec un complément. Je te passe la main. Merci Adrien. Merci également à Systématique pour cette plateforme d'échange. Et également à Thibaut pour avoir parlé de nous pendant sa présentation. Alors, rapidement sur moi. Donc je m'appelle Daniel Virasamy, je suis architecte de solutions chez Mirantis depuis 5 ans. Alors, qui sommes-nous? Un peu d'historique. Alors, Mirantis a été construit ou créé autour d'OpenStack. En 2011, nous avons cru fortement à ce projet. Et nous avons participé à la création d'OpenStack Foundation à l'époque pour par la suite construire des distributions autour d'OpenStack. Nous avons accompagné plusieurs centaines de clients au travers des différentes années pour continuer à innover, d'OpenStack. Alors pourquoi vous voyez Docker en parallèle? Tout simplement parce que nous partageons pas mal de choses avec Docker. Déjà, nous avons le même ADN, dans le sens où l'envie d'innover au sein de l'open source. Donc, innover en termes de rajout de code, innover en termes de construction de projets et innover en termes de construction de distribution. Pour le coup, Mirantis, c'était OpenStack et Docker en parallèle, toute la partie containerisation. Et le deuxième aspect de cette histoire en commune, c'est en 2019, il y a eu le rachat d'une partie Docker, donc Docker Enterprise,
où nous avons eu, où nous avons fait l'acquisition des assets de type engine, registry et orchestrateur, que ce soit Swarm et Kubernetes, pour ensuite construire cette plateforme commune hyperconvergée. Alors hyperconvergée, pas uniquement dans le sens stockage et compute, mais également hyperconvergée dans le sens où gestion de différents types de workloads, que ce soit machine physique, VM et conteneurs. À travers ces différentes solutions et plateformes, du coup, nous avons accompagné pas mal de clients, les plus connus et sûrement les services que vous utilisez au jour le jour. Hein. Par exemple, avec la 3G, 4G, 5G, c'est Ericsson. Ericsson, c'est un de nos plus gros clients, avec plus de 700 clients d'Ericsson que nous aidons à supporter. Nous avons Booking.com, qui est l'une des plateformes les plus connues dans le monde du voyage. Et donc là, nous avons énormément d'infrastructures chez Booking.com que nous supportons, plus de 8000 serveurs. On a tous une carte bleue avec le petit logo Visa. Visa, c'est un de nos plus gros clients. Nous avons plus de 100 millions de transactions qui passent sur nos plateformes tous les jours. Donc voilà. Et pourquoi ils nous font confiance? C'est parce que nous avons cette capacité à rendre l'open source consommable, en sécurisant, en productisant ces différents projets open source. Alors, pour preuve, nous avons participé à OpenStack. OpenStack et tous les services qui sont annexes à OpenStack, que ce soit Ceph, que ce soit Airship ou AT&T, ou Tungsten Fabric en tant que SDN, ou même OpenTilda, hein, qui est un SDN un peu moins connu. Ne serait-ce qu'au sein d'OpenStack, nous avons plus de 6 millions de lignes de code de rajouter. La même chose côté Docker et Kubernetes. Nous avons contribué via Docker et ensuite via Mirantis à différents projets dans le monde de l'open source liés à la containerisation. Et aujourd'hui, le sujet, c'est plus autour de K0S, puisque Mirantis construit aussi de A à Z certains projets, comme Lens, comme K0S, comme K0S Motron. Et ensuite, nous les fournissons à la communauté pour qu'elles puissent être utilisées et utilisables par le plus grand nombre. Alors, c'est quoi K0S? Alors déjà, pourquoi le nom? Nous avons décidé de faire K0S, ou en tout cas donner le nom K0S, dans le sens où on voulait avoir une distribution qui soit zéro dépendance, avec les différents composants pouvant constituer un cluster Kubernetes. Donc, par exemple, le système d'exploitation, pas de dépendance avec un système d'exploitation en particulier. Également, zéro friction pour intégrer les différents composants et rendre la solution complète, la plus simple possible. Est-ce que la solution est mature? Oui, j'aime à penser qu'elle est, puisqu'elle est, elle a aujourd'hui plus de 4 ans. Le premier commit a été fait, comme vous voyez sur l'image, hein, en juin 2020 et elle aura bientôt 4 ans. Est-ce qu'elle est utilisée ou est-ce qu'elle est consommée par le plus grand nombre? Aussi, oui. Depuis 2021, nous avons constaté environ 300 000 clusters de déployés et par jour, environ 600 et quelques clusters de déployés. Donc, c'est une solution qui est robuste, c'est une solution qui est utilisée par le plus grand nombre. Alors, pourquoi c'est utilisé? Tout simplement parce que c'est simple, hein, encore une fois, K0S, zéro dépendance, zéro friction. Alors, pourquoi c'est simple? C'est tout simplement parce que K0S, c'est un binaire écrit en Go, en open source, avec une licence Apache, et qui contient l'ensemble des composants nécessaires pour faire fonctionner un cluster Kubernetes. Donc, c'est adapté à différents cas d'usage. Ça peut être adapté à un cas d'usage de type entreprise, où on a besoin d'avoir des clusters très larges et vous voulez faire du namespace as a service, par exemple. Mais c'est aussi adapté à des cas d'usage où vous avez des plus petits sites. Donc là, on va parler plutôt de Edge ou d'IoT, avec des architectures CPU différentes, que ce soit du x86 ou des CPU ARM, que ce soit ARM32 ou ARM64. Il y a également le fait que ce soit une distribution qui a été donnée à la communauté open source. On a également voulu faire en sorte à ce qu'elle soit certifiée CNCF pour la raison très simple, c'est que nous incluons un certain nombre de choses au sein de K0S, mais il y a pas mal de nos utilisateurs qui décident ensuite de changer les différents composants, et donc ce qu'on appelle un back with included but swappable. Donc, typiquement, la capacité à changer, que ce soit le CNI, le CSI, etc.
Alors, KZOS est une distribution Kubernetes, mais nous avons rajouté des choses autour de K0. Par exemple, pour la gestion de flotte, vous avez Cosmotron, qui est également open source, que nous avons produit et livré à la communauté l'an dernier. Cosmotron, c'est un composant qui est compatible, donc c'est un opérateur Kubernetes, pour être exact, qui est compatible Cluster API et avec un provider officiel Cluster API, de telle sorte à ce qu'on puisse déployer K0 sur différents environnements, que ce soit VMware, que ce soit OpenStack, que ce soit Bare Metal, ou même les différents cloud publics. En plus de cela, nous avons ce qu'on appelle le Mirantis Hybrid Multi-Cloud Platform. K0S fait partie de cette distribution, mais encore une fois, parlons de cette plateforme. K0S, c'est une distribution, mais autour de ça, nous avons construit une plateforme de telle sorte à ce qu'on puisse ensuite faire fonctionner différents projets. La gestion des VM, par exemple, avec KubeVirt, mais également OpenStack, puisque nous faisons fonctionner OpenStack en tant que microservice sur Kubernetes. Serverless, Fast, donc on a pas mal de composants open source qui sont ensuite rajoutés autour de K0S pour faire une solution plus complète. Alors, encore une fois, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais la raison pour laquelle je parle de K0S Motron et de la plateforme, c'est tout simplement pour ensuite faire, pour que ça fasse un peu plus sens sur ce tableau. Alors, si on regarde les différentes versions de Kubernetes que nous supportons, le projet K0S à une fenêtre glissante de 4 versions. Donc aujourd'hui, c'est 1.26, 1.27, 1.28 et 1.29 en version majeure. Et ensuite, quand on va supporter la 1.30, ben, on va glisser et on va supporter 1.27, 1.28, 1.29 et la 1.30. Voilà. Donc en version majeure, et ensuite, pour chaque version majeure, nous avons plusieurs versions mineures qui sont également incluses dans le support. En termes de runtime, on est également, on a deux modèles. On a le modèle où c'est embarqué dans le binaire, donc et par défaut c'est containerd. Mais vous avez aussi le modèle où vous amenez votre propre runtime. Donc ça peut être du CRIO, Docker, ça peut être du Kata. Donc vous avez la liberté comme de ramener votre propre runtime au sein de et le faire fonctionner avec K0S. En termes de plugin réseau, c'est exactement la même chose. Nous avons par défaut KubeRouter et Calico, mais rien ne vous empêche de ramener un autre CNI. Hein. Ça peut être du Cilium, ça peut être de l'ECI, ça peut être. Voilà. Vous avez le choix venant du monde open source ou propriétaire de ramener le CNI qu'il faut. Pour la partie manager, c'est là où on a, nous, Cosmotron, qui est l'opérateur qui va gérer K0S. Encore une fois, avec la compatibilité Cluster API. La gestion des mises à jour, la gestion des identités, l'observabilité, la sécurité, le CI/CD et l'infrastructure as code, ça vient par défaut chez nous dans le Mirantis Hybrid Multi-Cloud Platform. Mais encore une fois, au K0S, c'est une distribution open source. Rien ne vous empêche de construire votre propre outillage pour gérer les mises à jour, gérer les identités, l'observabilité ou le CI/CD. Voilà. Donc, on a les deux modèles. On a décidé de ne pas fermer la porte, de ne pas être opinionated, dans le sens où soit vous utilisez K0S en mode distribution et vous intégrez tout l'écosystème, et on a l'autre pendant du spectre qui est vous achetez sur étagère une distribution plus complète où on va gérer les mises à jour avec Cosmotron, gérer les identités avec tout ce qui est compatible au IDC, SAML, l'observabilité avec Prometheus, Grafana et Kibana, le CI/CD avec OrgoCD, FluxCD et puis Infrastructure as Code avec des compatibilités Terraform et Cosmotron. En termes de comparaison, c'est assez compliqué de comparer, de faire la comparaison entre K0S et Tanzu. Alors pourquoi ? C'est parce que K0S c'est une distribution et Tanzu c'est plutôt une plateforme. Mais si on a à retenir quelques différences, c'est que, encore une fois, avec K0S étant une distribution open source, vous avez la capacité de le customiser comme vous le souhaitez. C'est une distribution qui est suffisamment légère pour être adaptable sur du l'Edge ou de l'IoT. Et c'est agnostique à l'environnement sous-jacent. Donc, elle peut fonctionner sur OpenStack, elle peut fonctionner sur les cloud publics, elle peut fonctionner sur du Nutanix, elle peut fonctionner sur du Bare Metal. On n'a pas d'attache particulière en environnement.
A contrario, n'étant pas une plateforme, on n'a pas tout l'écosystème de Tanzu qui est TAS, TAP par exemple, ou même l'écosystème de partenariat, parce qu'encore une fois, c'est une distribution open source et ce n'est pas un produit. Le produit, c'est le Mirantis Hybrid Platform. Voilà. En termes de roadmap, nous avons la volonté de supporter les dernières versions de Kubernetes le plus vite possible, 1.30, 1.31 et 1.32. Donc ça, c'est dans la roadmap de cette année-ci. Nous travaillons très en étroite collaboration avec nos clients, mais également avec la communauté pour supporter différents types de CPU. Donc, j'ai parlé du X86 et j'ai parlé de d'ARM. Mais cette année-ci, nous voulons également supporter RISC-V pour des cas d'usage de type AIML. Et finalement, en termes de cycle de vie, continuer à travailler sur Cosmotron et Cluster API, rajouter des fonctionnalités de self-healing et auto-scaling, par exemple, et également avoir la capacité de faire du load balancing autonome, c'est-à-dire sans load balancer externe pour les environnements qui n'ont pas ou qui ne portent pas de load balancer, type VMware ou type bare metal. Et pour finir, nos offres commerciales. Alors, c'est très, très simple. Nous, notre modèle de souscription, parce que c'est une distribution, encore une fois, open source, c'est basé sur le support de ce package. On a deux niveaux de support, 24/7 et Managed Services, donc on appelle ce qu'on appelle OpsCare et OpsCare Plus. Et nous comptons les nœuds de type Worker sur lesquels ensuite nous avons une tarification. Voilà. Voilà, Adrien. Parfait. Adrien. Merci, Daniel. Respect du timing à peu près. Il reste pour une question, parce que j'en vois une dans le chat, donc je me permets. Donc Guillaume qui demandait quelle est la licence de K0S. Donc, je pense qu'on parle de licence open source sur laquelle elle se base. C'est la licence Apache. Ça marche. Écoute, merci, merci beaucoup. Très intéressant. Et puis, écoute, tu clôtures parfaitement la session. N'hésitez toujours pas à poser des questions. Si vous en avez encore, Daniel, ce sera un plaisir. Je parle en ton nom, mais ce sera un plaisir d'y répondre. Merci, Adrien. Pas de souci. Donc, on arrive au bout de cet événement. On est dans les temps et merci à tous d'avoir joué le jeu. En conclusion, j'ai remis les différents tableaux de comparaison selon les thématiques, d'accord. Donc, je ne vais pas repasser dessus, c'est pas l'objectif, mais comme ça, vous aurez une synthèse si ça vous intéresse. Évidemment, c'est toujours un enjeu d'essayer de synthétiser les choses, en tout cas, toutes les fonctionnalités ou les capacités de chacun des produits en quelques lignes, mais ça donne une vision. Et peut-être juste pour conclure ou donner moi ma conclusion sur le sujet. Bon, évidemment, VMware est quand même très avancé sur différentes thématiques, différents produits. Ils ont une force de frappe, évidemment, par leur passé, leur implantation qui est assez impressionnante. Ils ont toujours fait beaucoup de R&D VMware. Après, à voir ce que ça donnera avec Broadcom, c'est quand même peut-être pas les spécialistes de la R&D, en tout cas sur ces sujets-là, à voir par la suite. Clairement, on l'a vu, il y a des vraies alternatives open source avec une certaine maturité, puisqu'une présence déjà depuis un certain temps, des roadmaps qui sont intéressantes et qui vont venir combler les manques qu'il y a actuellement. Malgré tout, même aujourd'hui, il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Je vais faire un peu mon consultant, mais on peut toujours se poser la question, est-ce qu'elles sont nécessaires? Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes les fonctionnalités aussi que proposent les solutions VMware? Clairement, les alternatives open source en plus sont très intéressantes dans un contexte, je dirais, d'indépendance. Et on voit là avec la dépendance qu'on se crée aux solutions, aux éditeurs, l'impact que ça peut avoir dans le futur, même s'il y a évidemment des enjeux autour des solutions open source aussi. Et là, il y a une question sur le licensing. Typiquement, c'est une bonne question. Il y a aussi du licensing dans l'open source, d'en être conscient. Le changement de solution, si vous devez le faire, faut vraiment se poser la question. Il y a des vrais impacts. Mais pour autant, ça peut être assez intéressant, des impacts évidemment sur les compétences, hein, l'écosystème qu'il y a autour, on en a pas mal parlé là, sur les process que vous avez aussi déjà en place. Peut-être un point fort aussi de VMware, mais c'est aussi dû à son implantation et son historique, toute la culture autour des bonnes pratiques autour de VMware, beaucoup de documentation de bonnes pratiques, comment déployer ceci, comme ça, etc. Et là, vous avez aussi votre rôle à jouer dans la communauté open source pour aller contribuer au projet qu'on a cité là
et aller construire tout ça. Pour terminer, alors je vois Pierre, je ne sais pas si c'est toi qui prends ou je sais que peut-être Florence, je ne sais pas quelle des deux, pour nous parler du futur événement qui arrive et clôturer ce webinaire. Si Florence n'avait pas de problème de connexion, elle pouvait. Non, mais je voulais d'abord remercier tous les intervenants et particulièrement toi, Adrien, pour l'orchestration de cette présentation qui a été efficace, pragmatique et bien construite. On a souhaité poursuivre les échanges lors d'un deuxième atelier qui aura lieu le 16 mai dans Paris en présentiel. On va se focaliser sur la partie ES6i. Et après ce premier atelier, on a adressé un panorama de présentation des solutions. Là, l'idée, c'était de parler de retour d'expérience sur l'utilisation de ces solutions, donc sur la partie virtu hyperviseur. Et donc, on aura des REX sur Proxmox, sur XCPNG, également sur OVIRT. Donc, ça sera le 16 mai dans Paris. Oui, très bien. Et peut-être pour conclure, hein, tu l'avais repris, Adrien, un des qualificatifs du début, l'aspect concret. On a vraiment souhaité, au début, on voulait faire un atelier, mais vu l'engouement et vu le sujet, on a découpé en deux. C'était très bien d'avoir une présentation des différentes solutions. Et maintenant, on veut compléter avec des retours d'expérience et vraiment avoir ce retour de ce qui a marché, ce qui a été difficile, ce qui a moins bien marché, quelles limites ont été vues, et d'un point de vue utilisateur-client. Voilà, c'est toujours aussi la vérité du terrain, entre la théorie et de la pratique, il peut y avoir des différences. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment foison de solutions, je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Adrien. Il y a du pragmatisme à avoir. Avoir exactement l'idéal, ben ça, c'est peut-être un graal jamais atteignable. Mais on voit qu'il y a pas mal de possibilités qui se présentent et qui évoluent. Donc, c'est vraiment à suivre. Et donc, ça va être intéressant maintenant de donner la parole aussi aux utilisateurs et aux clients pour voir ben, ceux qui étaient dans la même problématique que vous, qui ont franchi le pas, quels sont leurs retours. Et, ça. Donc, merci à tout le monde. Laetitia, Florence, pour aussi toute l'organisation. Adrien, pour avoir mené ça de main de maître. Tous les participants qui ont vraiment joué le jeu. Et tous les visiteurs, puisqu'on a eu jusqu'à 110 connectés simultanés, donc un bon taux de participation. Et on espère vous revoir du coup au deuxième atelier le 16 mai en présentiel, puisque le retour d'expérience, ça sera très bien d'échanger aussi en présentiel avec tout le monde. Merci à vous aussi pour l'organisation de cet event. Merci. Merci, à très bientôt. À bientôt, au revoir.